effroyable incendie en Irak, au moins 100 morts et plus de 150 blessés dans une fournaise infernale lors d'un mariage pseudo-chrétien dans la ville de Karakosh, l'ancienne Ninive de la Bible. Le Gabon sous le choc. Un capitaine d'armée qui envoyait depuis plusieurs années son neveu capturer les enfants pour des meurtres rituels. Nouvelle découverte sur les pratiques de magie juive des pasteurs francs-maçons Yves et Ivan Castano d'ICC. Kabbale, arbre de vie, boule de cristal, astrologie, démonologie, etc. Quel est le sommaire du tour du monde des actualités internationales affectant les chrétiens en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le lundi le 2 octobre? La section de cette émission que vous êtes sur le point de suivre est la plus grande dénonciation de ces pasteurs kabbalistes, des pasteurs vampires comme je les ai toujours appelés, des pasteurs kabbalistes qui ont embrassé la magie juive, les mystères ésotériques orientaux et principalement juifs. Ce que vous êtes sur le point de suivre est l'une des plus grandes dénonciations de l'occultisme, de l'ésotérisme qui a infiltré le corps de Christ avec ces criminels évangéliques de la criminalité et du vampirisme évangélique en bande organisée. Le Seigneur Dieu, par sa grâce, m'a donné de plonger dans les mystères de Satan. Je vous prie de suivre cette émission jusqu'à la fin. Si quelqu'un suit cette émission jusqu'à la fin et continue à suivre ces sorciers évangéliques qui se déguisent en ministres de Christ, mais étant de véritables serviteurs de Satan, c'est que soit vous êtes un mort-vivant, soit vous êtes un sorcier comme eux-mêmes et vous aimez leur sorcellerie, il n'y a plus rien à faire pour vous. Pour ceux qui ont tâtonné, qui sont allés d'église épicerie à église épicerie, qui cherchent la vérité, vous serez rassasiés. Attachez vos ceintures parce que ce que vous êtes sur le point de regarder va vous laisser sans voix. Il y a quelques jours, je tombais par hasard, et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le hasard, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je tombais par la grâce de Dieu sur cette vidéo où ICC recevait des influenceurs. Et ce qui m'a choqué, c'est le background impact qui n'est que l'arbre de la Kabbale, l'arbre de vie de la Kabbale. Dans impact, l'arbre de vie de la Kabbale. Cela m'a choqué. La vidéo est passée, vous savez, quand vous allez sur YouTube, il y a des suggestions à gauche de votre écran, ou même au bas des vidéos. Alors, cette vidéo est passée rapidement. Je n'avais jamais vu ce logo où le A dans Impact, c'est l'arbre de vie de la Kabbale. La Kabbale ou magie juive. Ces gens ne se cachent plus. Ouvertement, ils montrent ce qu'ils sont. Ils savent que les chrétiens n'ont pas de discernement. Ils savent qu'il y a beaucoup de bénis oui-oui qui ne lisent pas leur Bible, qui, comme des moutons, acceptent bêtement toutes les doctrines diaboliques, démoniaques qu'on leur donne, tout l'ésotérisme qu'on leur apporte. Ils l'acceptent parce qu'on y met tout simplement un petit vernis biblique, un vernis tout mince, mais à l'intérieur, c'est une abomination que nous allons exposer. Donc voilà cette émission d'Impact Finance.
Aujourd'hui, dans la plupart des églises, ils organisent ce qu'ils appellent des soirées de santé finance, de percée financière, tout c'est l'argent. En fait, ils vous prêchent un autre Dieu, un faux Dieu, qui est une divinité, un démon qui est mammon. C'est un faux Dieu. Le démon qui est associé aux choses concernant l'argent, le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé mammon. Et il savait pourquoi il l'appelait mammon. Les choses qu'il va vous montrer dans cette émission ne sont pas pour vous amener à creuser davantage les mystères de Satan ou aller adorer Satan ou aller rechercher l'aide des démons ou anges déchus. C'est pour vous ouvrir les yeux. Donc voilà une émission où cette présentatrice qui visiblement est chrétienne, mais chrétienne entre guillemets, mais ayant sur elle tous les indices de la mondanité, de la frivolité, de la volupté, avec la fausseté sur son corps, comme les faux cheveux, ce ne convient pas à une femme qui craint Dieu, qui vit dans la sainteté, dans la piété, qui s'est habillée en pantalon, moulant, même s'il est moulant ou pas moulant. Un pantalon, c'est un habillement d'homme. Bref, ça, c'est quelques petits détails de cette émission. Voilà comment cette femme, travaillant pour cette chaîne abominable ICC, Impact pour l'Enfer, Impact TV, invite des influenceurs, ces influenceurs qui eux-mêmes sont influencés par Satan. La plupart, comme vous allez le constater dans cette émission, vendent leur âme à Satan. Même pas la plupart, presque tous, à presque 100%, vendent leur âme à Satan pour une vaine gloriole, pour des broutilles, pour une prospérité passagère, pour des miettes que Satan leur donne. Ils vont sur les réseaux sociaux faire des émissions, poster des vidéos pour vous miroiter leur soi-disant richesse, qui en réalité n'est pas une richesse. Alors, ce que nous avons vu, qui m'a choqué particulièrement, c'est le symbole de la Kabbale. Il ne se cache plus. Et la Kabbale, mes frères et sœurs, commence au jardin d'Éden. L'arbre de vie de la Kabbale, c'est l'arbre de mort. Le symbole que vous voyez sur votre écran défilé, dans Impact, Impact Finance, c'est l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie, ou plutôt l'arbre de la mort de la Kabbale qui est la magie juive, tire sa vraie origine dans le jardin d'Éden. Vous pouvez lire avec moi en Genèse chapitre 3, versets 2 à 7, quand Dieu, ayant créé Adam et Ève, leur a donné ce commandement, ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, mais ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où ils devaient en manger, ils devaient mourir. Et le serpent, sachant la bénédiction et le pouvoir que Dieu a donné à Adam et à son épouse Ève, est venu les séduire. Alors, en Genèse chapitre 3, verset 2, la femme répondit au serpent. Le serpent, c'est le diable, c'est une image du diable. C'est une figure du diable. La Bible l'appelle aussi dragon. Donc, si vous voyez des symboles de dragon, soit sur des vêtements, soit sur des marchandises, sachez que c'est un symbole de Satan. Vous devez débarrasser vos maisons de ces choses. Le dragon, c'est le diable, c'est Satan dans la Bible. Un autre nom, c'est le serpent ancien. Alors, verset 2, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. » Verset 4, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Voilà, Dieu a dit, « Vous allez mourir. » Le serpent, le diable, dit, « Non, vous n'allez pas mourir. » Verset 5, « Mais Dieu sait que, » voilà la ruse du diable au verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Nous avons souligné « comme des dieux » et vous allez comprendre par la suite. Parce que tout ce qui est derrière la Kabbale juive, la magie juive, c'est vous amener à devenir des dieux. C'est pour cela que les Castanou et autres ont
cette expression, vous êtes des créateurs. Étant donné que l'homme ne peut pas cesser de penser, tu penses tout le temps, tu penses en permanence, donc tu es en train de créer. L'homme est créateur, l'homme est un créateur. Chaque être humain est un créateur. Parce que vous êtes des enfants du grand architecte de l'univers, qui est l'abomination des francs-maçons, que les Illuminati appellent Baphomet. En fait, c'est Satan, c'est une image aussi de Satan. Alors, vous serez comme des dieux. Tout ce qu'il y a derrière la cabale juive, qui a des liens ésotériques avec la franc-maçonnerie, ce qu'il y a derrière la cabale, c'est on vous apprend à devenir Dieu, à devenir Dieu, à devenir un créateur. Ça a commencé au jardin. Mais verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Ce qui a été souligné, savoir qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, fera l'objet de cette émission, de cet exposé, de cette dénonciation. En fait, voilà tout ce qu'il y a derrière le mysticisme, l'ésotérisme de la Kabbale, c'est vous ouvrir l'intelligence. Et la Kabbale est aussi liée au yoga, au bouddhisme. En fait, ça, c'est les mystères de Satan qui sont liés les uns aux autres. L'ouverture, par exemple, du troisième œil dans la chakra des hindouistes, voilà de quoi il s'agit. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ce qui s'est passé au jardin d'Éden continue à se passer aujourd'hui, de nos jours, devant nos yeux, dans cette fin des temps. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, l'arbre de vie qui défile devant vos yeux dans cette émission abominable d'Impact TV, le A représentant la Kabbale, l'arbre de vie est bien exposé, bien documenté dans le livre de magie des Juifs qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est la Bible satanique des Juifs. C'est une encyclopédie à plusieurs exemplaires. Le Talmud est le fondement de la Kabbale ou magie juive avec la Shekinah et l'arbre de vie. Donc, il y a le Talmud qui est au centre de la magie juive qu'on appelle Kabbale avec comme corollaire la Shekinah, le Dieu homme-femme et l'arbre de vie. Il se présente sous forme de deux ouvrages principaux. Le premier ouvrage, c'est le Talmud de Jérusalem ou Talmud Yerushalmi. Il est aussi appelé le Talmud palestinien. Il a été compilé en Israël au 4e siècle et 5e siècle de notre ère. C'est une déformation, un travestissement de la Torah. Et comme vous le savez, la Torah, c'est les lois de Dieu de l'Ancien Testament. Ça, c'est le premier ouvrage ou la première version du Talmud, le Talmud de Jérusalem ou Talmud Yerushalmi. Le deuxième Talmud, c'est le Talmud de Babylone ou Talmud de Bavli. Il a été compilé en Babylone. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne lisent pas la Bible, Babylone, c'est la région à Shinéar où fut construite la tour de Babel. Et aujourd'hui, c'est l'Irak. Et comme nous avons vu dans la séquence précédente, cet incendie en Irak qui a tué au moins 100 personnes lors d'un mariage, ça s'est passé dans la ville de Karakosh, qui est l'ancienne Ninive, qui est l'ancienne Ninive de la Bible. Alors, le Talmud de Babylone, ou Talmud de Balvi, a été compilé en Babylone au 5e siècle et 6e siècle de notre ère. Ce Talmud, c'est-à-dire le Talmud de Babylone, est la version la plus étudiée et la plus influente du Talmud d'aujourd'hui. Il est aussi plus volumineux que le Talmud de Jérusalem et couvre une gamme plus large de recettes ou de sujets magiques. Et ce qui est choquant, mes frères et sœurs,
c'est que le Talmud décrit le Seigneur Jésus-Christ de manière insultante et blasphématoire. Il appelle Yeshua Nozi et dit qu'il est né de Marie, une femme prostituée, et que parce que Jésus, soi-disant, était un bâtard, un débauché, un pervers sexuel comme sa mère, et un criminel, il va brûler éternellement dans une gigantesque fournaise remplie d'excréments humains. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Tout pasteur ou toute personne qui a embrassé la cabale juive avec l'arbre de vie, pour ne pas dire l'arbre de la mort, tout pasteur qui a embrassé l'arbre de vie de la cabale juive et les mystères ésotériques de la cabale, comme les castanous, tunassi, carambiri et autres, insulte lui aussi le Seigneur Jésus-Christ. Insulte lui aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà des pasteurs qui ouvertement embrassent la cabale. Voilà comment la cabale décrit le Seigneur Jésus-Christ, fils d'une prostituée, lui-même débauché sexuel, pervers sexuel, dévergondé, un criminel, un malfaiteur qui, pour eux, n'est pas monté au ciel, est mort et brûle éternellement dans une fournaise remplie d'excréments humains. Voilà donc vos pasteurs qui ont embrassé la cabale. Avant de continuer, je vais dire ceci. Que ces pasteurs viennent dire ouvertement que vraiment, nous n'avons jamais été chrétiens, nous sommes des sorciers, nous sommes des magiciens, nous allons laisser Jésus-Christ tranquille, nous allons laisser la Bible tranquille, je ne les dénoncerai jamais plus. Qu'ils viennent dire, voilà, c'est vrai, nous sommes des sorciers, nous sommes des vampireux, nous pratiquons la sortie astrale, il n'y a rien de Dieu en nous, il n'y a rien de chrétien en nous. Voilà des ennemis de Christ qui embrassent les mystères ésotériques juifs. Aujourd'hui, il y a une tendance à travers le soi-disant christianisme, la tendance de la judaïsation de plus en plus de chrétiens, la tendance des chrétiens à devenir membres des sectes judéo-chrétiennes. Il y a la branche, par exemple, des Nazaréens. Il y a d'autres branches judaïsantes qui acceptent les chrétiens. En fait, c'est pour étouffer votre foi. Le judaïsme n'est pas la voie pour aller au ciel, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni le catholicisme, ni les églises évangéliques, ni le protestantisme, ni les églises pentecôtistes, mormones, ni les témoins de Jéhovah. Toutes ces institutions religieuses humaines ne sont pas la voie pour aller au ciel. Donc, voilà un jeune homme à qui on doit prêcher le renoncement à l'amour de l'argent, à la possession par l'argent, parce que l'une des prophéties de la fin des temps, c'est que les gens seront non seulement fanfarons, ils auront l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Plusieurs, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils n'ont pas la paix, ils ne dorment pas la nuit. Leurs pensées sont occupées à voir comment ils peuvent fructifier leurs revenus. Ils n'ont pas la paix. La Bible dit, mieux vaut une main pleine avec la paix, avec le sommeil, vous pouvez dormir, que deux mains pleines avec le trouble. Ces gens qui vous enseignent à vous enrichir, à rechercher la richesse, etc. Ce jeune homme, certainement n'est pas chrétien, comme on va vous le démontrer. C'est un influenceur et il est invité à une émission soi-disant chrétienne, appartenant à une chaîne soi-disant chrétienne. Mais le logo que vous voyez d'Impact montre au grand jour l'appartenance spirituelle de ce Ivan Castanou et de tout son empire évangélique d'escroquerie et de rapine évangélique. Les oiseaux de même plumage vont ensemble. Ces invités qui défilent sur votre écran savent dans ce qu'ils sont, savent ce qu'ils font. Et nous allons vous démontrer cela dans quelques instants. Soyez patients, suivez cette émission jusqu'à la dernière seconde. Nous, les chrétiens, nous sommes là pour prêcher l'évangile de Christ au monde, délivrer le monde de la colère à venir, montrer au monde les voies de Christ, vouloir s'enrichir, vouloir posséder le monde entier. La Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
Vous embrassez les mystères ésotériques pour de la broutille, pour la vaine gloriole passagère. Vous vendez votre âme à Satan pour brûler éternellement en enfer. Éternellement en enfer. Ces jeunes qui défilent sur votre écran, ils sont nombreux, ces influenceurs, ont besoin de délivrance, ont besoin de connaître la parole de Dieu afin de cesser d'être influencés par Satan. En fait, c'est les influenceurs influencés par Satan, comme je les appelle, qui se dirigent en enfer, qui font des pactes avec les démons, comme vous allez voir dans cette émission. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, prennent le chemin sans retour vers l'enfer. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui est aujourd'hui dans les églises. La cabale ne se cache plus dans les églises. La magie ne se cache plus dans les églises. Et voilà justement une boule de cristal qui apparaît dans le générique de cette émission. Et parlant de boule de cristal, le démon du zodiaque et la boule de cristal est ce qui influence ICC et les Castanou. Voilà. Le démon du zodiaque et de la boule de cristal est ce qui influence Castanou. Est-ce que vous le saviez? Incroyable. Très rapidement, dans le générique, une boule de cristal apparaît. La boule de cristal est associée à un démon de divination qui est derrière le zodiaque, qui est derrière l'astrologie. C'est là que vous voyez ces gens qui sont dans la finance, qui font des investissements dans les marchés de capitaux, qui font des placements dans les marchés de capitaux comme la bourse de New York. Ils ont des boules de cristal. La boule de cristal est associée à la cabale juive. Non, ce n'est pas la franc-maçonnerie, la cabale juive. Et aussi à l'hindouisme et au bouddhisme. Tout cela est lié. La boule de cristal et de comment on s'en sert. Alors, moi, je vais vous montrer trois modèles que j'ai. Entre autres, j'en ai d'autres. L'énergie, la pureté, grâce à l'eau, donc grâce au minéral, et des propriétés ésotériques qu'on peut recréer à partir de l'eau et de son effet miroir, donc l'effet réfléchissant que la boule apporte pour faire des voyances comme la cristallomancie. Donc vous pouvez très bien faire ça avec un miroir ou avec un verre rempli d'eau. Je vais vous présenter aujourd'hui la boule de cristal. Donc la boule de cristal, ben, les vrais voyants, en fait, normalement, n'utilisent pas une boule en verre. Et en fait, en vous concentrant sur la boule, en théorie, il faudrait vous mettre dans une pièce obscure et avec une bougie par exemple à côté. Donc en mettant la bougie, celle-ci va se refléter sur la boule. Et en fixant la boule, si vous mettez la photo de quelqu'un ou que vous vous concentrez sur une question, normalement, c'est pas évident, moi j'arrive pas à détonner, hein. Je vous le dis, je suis pas champion. J'ai pu apercevoir quelque chose, mais bon, c'est pas mon truc préféré, mais bon, je le présente parce que pour le présenter, voilà. Une espèce de lueur blanchâtre et qui va vous donner une réponse par rapport à une forme. Donc ça va vous faire comme quand vous fixez la lumière, une espèce de forme, et cette forme-là, ça vous donnera votre réponse. Il faudra interpréter la réponse par rapport à cette forme. Je vais vous parler des boules de cristal. Vous avez les boules en cristal de roche comme ceci. Donc je vous expliquerai comment on choisit une boule de cristal. Vous avez également les boules de cristal un peu plus communes en verre comme ceci. Toutes transparentes. Donc après, une fois qu'elle sera en votre possession, il va falloir la recharger. Pour la recharger le mieux, il faut déjà la recharger de son énergie, mais c'est bien de la recharger à l'énergie lunaire. Donc on dit que le cristal de roche aime l'énergie solaire. Il a fallu quand même que je passe par la méditation pour pouvoir me servir convenablement de cette boule de cristal. Et alors après, j'ai trouvé un oracle très intéressant, l'oracle de l'arbre de vie. Donc je trouve qu'il va très bien avec le support de la boule de cristal. Vous voyez...
vous avez des mots-clés en haut et le nom de l'arcane en bas. Donc, c'est un oracle que je trouve qui est très parlant. Tout cela est lié. Qu'est-ce que vous voyez? Astrologie kabbalistique. C'est associé à la boule de cristal, l'astrologie associée à la boule de cristal. Voilà les livres magiques qui sont derrière justement le ministère d'Ivan Castanou et vous pouvez voir l'étoile de David. Il n'y a pas une telle aberration dans la Bible que l'étoile de David. L'étoile de David n'est pas biblique. Que quelqu'un me montre un seul verset de la Bible qui parle de l'étoile de David. Que quelqu'un me montre un seul verset dans la Bible qui montre l'étoile de David. Ça, c'est plutôt l'étoile de la Kabbale juive et nous allons voir les démons qui sont derrière la Kabbale juive dans quelques instants. Je ne fais qu'introduire cette émission. Il y a tellement de mystères à dévoiler que je ne sais vraiment pas par où commencer. Dieu interdit l'astrologie et on peut lire ça en Deutéronome chapitre 18 très rapidement. Comment Dieu a en horreur l'astrologie? Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Commençons au verset 9. Verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, c'est-à-dire la nécromancie. Car quiconque, verset 12, car quiconque fait ces choses, c'est-à-dire quoi, est un devin ou consulter les devins, est un astrologue ou consulter les astrologues, c'est-à-dire le zodiaque, augure, magicien, enchanteur, ceux qui font la nécromancie. Le verset 12 dit car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Voilà comment Dieu hait la magie, la sorcellerie, l'occultisme qui est derrière l'astrologie. Donc, en voyant de manière très subliminale la boule de cristal qui défile dans ce générique de cette émission abominable d'impact de maman, parce que l'impact finance est en fait l'impact de maman. Les gens sont impactés par le démon maman. En suivant donc cette boule de cristal qui a défilé rapidement, qu'est-ce qu'on peut conclure? Sans embâche, sans l'ombre d'un doute, nous pouvons conclure en voyant cette boule de cristal défiler très subtilement, de manière subliminale. Nous pouvons conclure que Ivan Castanou est un sorcier. En fait, le dieu qu'il prie, ou plutôt le démon qu'il adore, c'est le démon derrière l'astrologie. Voilà ce qu'il y a derrière la cabale d'Ivan Castanou et acolytes et compères et consorts. Ce qui est au centre, non seulement c'est la cabale juive, c'est l'arbre de vie. Et d'ailleurs, pour vous qui portez encore des bijoux, il y a toutes sortes de pendentifs qui se vendent, qui ont une signification ésotérique associée à la cabale juive. Vous voyez par exemple le pendentif œil de tigre. Il y a notre pendentif et les connaisseurs savent de quoi il s'agit. Si vous voyez un bijou avec ce symbole de l'arbre, c'est un symbole satanique. C'est pour cela que Dieu nous met en garde, met les femmes chrétiennes en garde contre les bijoux. Voilà un autre pendentif, plaque de rechargement. Rechargement de l'énergie de Satan. Et l'énergie de Satan, comme on va voir dans quelques instants, est au centre de la cabale juive. Voilà un autre pendentif, fleur de vie, en bois sculpté pour ne pas dire fleur de mort. Parce que quand Satan parle de vie, c'est la mort. Satan est expert à l'art des contraires. Quand il parle de vie, c'est la mort.
Donc voilà une autre plaque de rechargement. Bouddha et arbre de vie. Et ce qui est tellement surprenant dans cette plaque, c'est qu'elle est associée à Bouddha. Quel est le rapport entre Bouddha et les Juifs? C'est l'arbre de la Kabbale. Dans le domaine satanique, il n'y a pas de division entre religions. Ça, c'est une révélation époustouflante. Il n'y a pas de barrière entre les bouddhistes asiatiques et les Juifs. Ils ont le même Dieu. Chez Bouddha, il y a aussi cet arbre de vie. Incroyable, mes frères et sœurs. Donc, c'est une joie de montrer ces choses, ouvrir les yeux aux chrétiens. Et cette émission où ces jeunes influenceurs sont invités, ils vous montrent comment devenir riche. En fait, les invités comme ce jeune homme qui défile sur votre écran vous enseignent le mysticisme derrière le secret. En fait, le secret, c'est une vidéo, un DVD, et qui est même associé à un livre ou des livres qui ont fait fureur il y a quelques années, qui ont été vendus à travers le monde. Même les chrétiens ont commencé à les lire, à les écouter, ces vidéos, ces livres. Et beaucoup de personnes ont acheté ces livres. Parmi les personnes soi-disant influentes dans ce monde, les hommes d'affaires, les politiciens, même les pasteurs. Et quand vous allez suivre Yvan Castanou, ou plutôt Yves Castanou, le frère jumeau de Castanou, qui s'occupe de la succursale congolaise de cette épicerie, de cette église évangélique, il a fait un séminaire sur les lois mentales. Les lois mentales, et quand il enseignait mot pour mot le secret. Mot pour mot le secret. C'est le grand secret de la vie. Vous devez probablement être en train de vous demander quel est ce secret. Je vais vous dire comment je me le représente. La manière la plus simple de me représenter la loi d'attraction, c'est d'imaginer tout mon esprit comme un aimant. La manière la plus simple pour moi de vous expliquer comment fonctionne l'esprit. Imaginez votre esprit comme étant un aimant. La manière la plus simple de me représenter la loi d'attraction, c'est d'imaginer tout mon esprit comme un aimant. La manière la plus simple pour moi de vous expliquer comment fonctionne l'esprit. Imaginez votre esprit comme étant un aimant. La manière la plus simple de me représenter la loi d'attraction, c'est d'imaginer tout mon esprit comme un aimant. La manière la plus simple pour moi de vous expliquer comment fonctionne l'esprit. Imaginez votre esprit comme étant un aimant. Et je sais qu'un aimant a une force d'attraction. L'aimant possède en lui ce qu'on appelle une force d'attraction. Et je sais qu'un aimant a une force d'attraction. L'aimant possède en lui ce qu'on appelle une force d'attraction. Nous agissons tous en fonction d'un pouvoir infini. Nous nous guidons tous exactement suivant les mêmes lois. Les lois naturelles de l'univers sont si précises que nous n'avons même aucune difficulté à construire des vaisseaux spatiaux, à envoyer des hommes sur la Lune et à minuter leur alunissage avec une précision d'une fraction de seconde. L'univers est gouverné par des lois naturelles et par des lois surnaturelles, ou encore des lois spirituelles. La raison pour laquelle nous pouvons voyager aujourd'hui en avion, c'est parce que l'aviation opère en harmonie avec les lois naturelles ou encore les lois physiques. Les lois n'ont pas changé pour nous permettre de pouvoir voler dans les airs, mais c'est nous, les hommes, avec notre créativité, notre intelligence, qui avons trouvé les moyens d'agir, de coopérer en symbiose, en harmonie avec les lois naturelles. Et c'est cela qui nous permet aujourd'hui de sillonner le ciel. C'est parce que nous avons compris les lois et nous avons décidé de coopérer, de collaborer avec les lois. La science constate aujourd'hui que l'univers est régulé. La loi d'attraction.
l'action, on obtient de l'univers tout ce qu'on dit et sur quoi on se concentre. Donc, si on se plaint que les choses vont mal, on crée des raisons supplémentaires que les choses aillent de mal en pis. Je refuse d'appeler ça! Regardez-moi ça! Si une personne est très positive dans son allure, dans ses orientations, elle attirera à elle des personnages positifs, des circonstances, des événements positifs. En revanche, si elle est négative, dans ses orientations, si elle est en colère, elle attirera de la même façon à elle des gens en colère et négatifs, et des circonstances négatives et violentes. J'ai rencontré une dame à Cotonou cette semaine qui m'a dit, avec beaucoup de tristesse dans son cœur, elle dit, vous êtes épanouie, ça se voit, vous avez l'air épanouie dans ce que vous faites, épanouie dans votre vie en Christ, peut-être qu'un jour ça va m'arriver. Ça m'a fait mal, je me suis dit, mais mon sang, mon Dieu, j'étais triste pour elle parce qu'elle ne comprenait pas, elle était dans l'ignorance, elle est dans l'ignorance. Sachez que ce secret vous donne ce que vous voulez. Bonheur, santé, richesse. Vous pouvez avoir, faire ou devenir ce que vous voulez. Choisissez. On peut absolument avoir tout ce qu'on veut. Les rêves les plus fous. Dans quelle maison voulez-vous vivre? Voulez-vous être millionnaire? Est-ce que ça vous plairait de démarrer une affaire? Voulez-vous plus de succès? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dans quelle maison voulez-vous vivre? Quelle maison tu veux avoir? Veux-tu avoir un KGB? Que la volonté du Seigneur. Alors tu auras ton KGB, papa, il n'y a pas de problème. Bon, quand tu verras les hôtels des grandes maisons, oui, mais c'est matériel. Mais mon frère, on est dans la matière, c'est la terre. La terre est faite de matière. Tant que ton cœur ne reste pas attaché aux choses, il n'y a pas de problème. Tu as le droit d'avoir une grande maison, une grande piscine. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le corps, même pour l'esprit aussi, hein, parce que tu sais, l'environnement est important entre nous quand même. Hein. Hein, en toute humilité quand même. Hein. Ah oui, hein. Parce que prier dans un 5 mètres carrés où tu as la vaisselle, le lit, c'est pas toujours pratique. Quand tu veux jeûner, prier, c'est pas évident. Donc des fois, tu aimerais quand même avoir une salle dédiée à la prière. Et à côté de cela, tu as une salle où tu as un home cinéma. Et puis tu as la piscine. Non, mais c'est possible. Oh, vraiment, je sais bien. Des miracles s'étaient produits parce que les gens avaient appris à appliquer le secret. Peu importe que nous soyons en Inde, que nous soyons en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Stockholm, Londres, Toronto, Montréal ou New York, nous agissons tous en fonction d'un pouvoir, d'une loi. C'est l'attraction. Le secret, c'est la loi d'attraction. L'aimant possède une force d'attraction. Et la force d'attraction te permet d'attirer à toi, à cet aimant, tout ce que tu es ou tout ce qui se trouve autour. Quelqu'un dit amen. Quel est mon point? Si vous imaginez l'esprit comme étant un aimant. Notre boulot d'humain, c'est de nous accrocher aux choses que nous voulons, de bien garder en permanence à l'esprit ce que nous voulons. Et à partir de ça, nous commençons à invoquer une des plus grandes lois de l'univers, qui est la loi d'attraction. La loi d'attraction s'exerce partout. On attire tout à soi. Les gens, le travail, les événements, la santé, la richesse, les dettes, la joie, la voiture qu'on conduit, le groupe auquel on appartient, on les attire tout simplement tel un aimant. Ce qu'on pense, on le produit. Si vous imaginez l'esprit comme étant un aimant, votre esprit, toi, le vrai toi, là, tu es un esprit. Tu es comme un aimant. Tu attires à toi. Et tu attires quoi? Tu attires quoi? Tu attires à toi tout ce que tu penses. Parce que tes pensées, parce que par tes pensées, tu crées ton monde. Tu crées ta vie. Passez vos journées à penser grand. Spend your day thinking big. J'ai envie de vous dire, rêvez. I want to say you wake up. Projetez-vous dans l'avenir. Les mauvaises pensées viennent chez vous parce que vos pensées ne sont pas occupées aux bonnes choses. Listen, bad thoughts come to you because your thoughts are not taken care or on good. Pense grand. Think big. Pense à ta destinée. Think of your destiny. Occupe ta pensée à rêver sur ta destinée. Keep your thoughts dreaming of your destiny. On finit par attirer à soi ce que véhiculent les pensées prédominantes qui occupent notre conscience, qu'elles soient d'origine consciente ou d'origine inconsciente. C'est tout le problème. Seigneur, pourquoi ça ne se manifeste pas chez moi? Pourquoi ce n'est pas le cas de ma vie? Pourquoi je n'ai pas le style de vie que j'aspire à avoir? Pourquoi je n'ai pas tout ce que je désire? Si tu te plains,
de ce que les choses vont régulièrement mal pour toi. Non, vraiment, ça ne va pas du tout. Ma vie est un naufrage. Ma vie est un cauchemar. Ma vie n'évolue pas. Ma vie n'avance pas. Si tu en parles régulièrement, il y en a qui sont doués pour en parler avec une passion sincère. Puis, ne connais que les pensées que tu as. Et les pensées que tu as actuellement, c'est marre, naufrage, échec, tu en es marre. Et qu'est-ce qui se passe? Que tu en sois conscient ou que tu en sois inconscient, ça ne change rien, frère. Donc, si on se plaint que les choses vont mal, on crée des raisons supplémentaires que les choses aillent de mal en pis. Je refuse de faire ça! Regardez-moi ça! Si une personne est très positive dans son allure, dans ses orientations, elle attirera à elle des personnages positifs, des circonstances, des événements positifs. En revanche, si elle est négative dans ses orientations, si elle est en colère, elle attirera de la même façon à elle des gens en colère et négatifs, et des circonstances négatives et violentes. On finit par attirer à soi ce que véhiculent les pensées prédominantes qui occupent notre conscience, qu'elles soient d'origine consciente ou d'origine inconsciente. Il faut ressentir l'univers. À présent, vous comprenez que vous êtes le créateur de votre destinée. L'homme est créateur. L'homme est un créateur. Il y a un processus créatif qui compte trois étapes différentes et il est suivi aujourd'hui depuis deux millénaires. La première étape, c'est demander. Passer commande à l'univers. Faire savoir à l'univers ce que vous voulez. L'univers réagit à vos pensées. L'homme est créateur de quoi? De tout ce qui se trouve dans son esprit. L'homme est un créateur, inventeur. Les plus belles choses que l'homme peut toucher, inventer, découvertes, ils ont fait conspirer du côté créateur de chaque être humain. Chaque être humain est un créateur. Parce que par tes pensées, tu crées ton monde. Tu crées ta vie. Tu crées ta réalité. Donc ta vie sont généralement des choses que tu as tiré, sans le savoir, de manière inconsciente. Comme les lois naturelles, les lois mentales se moquent que quelqu'un perçoive une chose comme étant bonne ou mauvaise. Yves Castanou enseigne mot par mot le secret. Et d'ailleurs, cela a été vendu. Il a mis en vente les lois mentales. Il a mis cela en vente il y a des années, les lois mentales. Vous pouvez voir Yves Castanou, DVD, conférence, séminaire, vendu, et ça c'est il y a plusieurs années, vendu à 16 euros, il y a plusieurs années. Déjà, la Bible interdit la vente des choses qui viennent de Dieu. Heureusement ou malheureusement pour lui que cela ne vient pas de Dieu. Ça c'est les sciences occultes, ça ne vient pas de Dieu. Voilà comment vous faites dépouiller. Non seulement c'est payant, qu'est-ce que vous payez? Vous payez la mort, vous payez l'enfer, vous payez la désobéissance contre Dieu, vous payez la rébellion contre Dieu. Voilà ce que vous payez. Qu'est-ce qu'il y a derrière le secret? On vous apprend les lois d'attraction. Comment transformer votre intelligence, faire de votre intelligence un aimant qui attire tout ce que vous voulez. Argent, bonheur, mariage, prospérité, santé. Donc, vous vous concentrez par des exercices ésotériques. Vous transformez votre intelligence à un gigantesque aimant qui attire tout. Richesse, bonheur, prospérité, amour, etc. Voilà ce qu'il y a derrière Le Secret. Le film Le Secret a été viral il y a quelques années et jusqu'à aujourd'hui, dans les cercles ésotériques occultes, dans les loges franc-maçonniques, dans les églises de mort, ce secret est recommandé, conseillé, enseigné. Et quand j'étais dans cette abomination appelée le ministère de la Voix, l'ancien représentant national du ministère de la Voix au Gabon, un certain Gabonais, Didongo, a conseillé le secret. Il me dit, Georges, tu dois lire Le Secret, tu dois vraiment lire, c'est pour t'apprendre à être prospère, à décoller dans les affaires, dans la vie et autres. Je n'étais pas encore le chrétien que je suis devenu. Je n'étais pas encore le prédicateur de l'évangile que je suis devenu.
mais j'ai trouvé ce livre louche. Je ne savais pas que près de 20 ans après, je devais dénoncer justement cette abomination du secret. Ça ne donne pas de ce jour le secret. Donc, tous ces influenceurs que vous voyez, la plupart d'ailleurs, ce qu'ils vous enseignent, c'est le secret. D'ailleurs, suivons un petit extrait de comment l'un des deux invités dans cette émission abominable d'Impact Finance, qui introduit ingénieusement, malicieusement, les principes magiques ésotériques du secret. Suivez vous-même. Non, attends, moi j'ai une question avant qu'on parte. Ok, d'accord, vas-y. Tous ceux qui veulent devenir milliardaires, ouais. On est avec Philippe Simon, ouais. On est avec l'homme qui a quatre cerveaux. Si tu devais, non, si tu devais nous donner un seul secret, une seule technique pour atteindre la liberté financière, ça serait quoi? Ça serait investir sur soi-même. Ok. Et est-ce que tu peux développer juste un peu? Oui, bien sûr. Comme j'aime souvent le dire, je peux tout perdre aujourd'hui, je n'ai aucune inquiétude pour rebâtir parce que ma richesse la plus importante, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas les voitures, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Wow. C'est ce qu'il y a dans ma tête. Wow. C'est ce qu'il y a dans ma tête. Wow. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Ils pensent que pour devenir riche, il faut qu'ils aient des choses, il faut qu'ils possèdent des choses. En réalité, l'argent, c'est quelque chose qu'on en attire à soi. Quelque chose après lequel on court, Quand tu as compris comment ça marche, peu importe là où on te place, va l'attirer à toi. Là, pourquoi que tu ailles aux États-Unis ou même dans un petit village en Côte d'Ivoire, tu vas toujours trouver quelqu'un dans ce petit village qui est très pauvre, qui lui s'en sort économiquement mieux que tout le monde. Lui qui a la petite boutique, lui qui a le petit commerce, ainsi de suite, qu'il a compris comment fonctionne là. Wow. Donc je pense que ce que les gens doivent travailler s'ils veulent aller très loin dans le domaine des finances, travailler à eux-mêmes devenir des personnes qui vont attirer l'argent. Investir sur soi. Voilà mes frères. Voilà les principes du secret. Cette vidéo ésotérique abominable qui apprend aux gens les principes sataniques, la magie, la sorcellerie. Voilà comment ce monsieur vous dit la plus grande richesse, elle est dans votre intelligence, elle est dans votre cerveau. Attirez à vous tout ce que vous voulez. Et c'est le principe justement du magnétisme, d'élément. C'est-à-dire qu'il vous enseigne à transformer votre intelligence en immense aimant qui attire tout, prospérité, etc. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà ce qu'il y a derrière. Le secret, c'est de la sorcellerie que ces gens enseignent. Voilà ce jeune homme qui, de manière très brève, l'homme à qui on attribue quatre cerveaux, mais le cerveau de Satan, qui a besoin de délivrance, qui n'est pas un chrétien. Il n'est pas un chrétien, ce jeune homme qui a été invité chez ICC. Ce jeune homme qui a été invité à ICC, n'est aucunement un chrétien. Il a besoin de délivrance, de l'amour de l'argent. Il a besoin de connaître l'évangile du salut. Voilà comment il est reçu chez Ivan Castanou, cette télévision abominable d'Impact Finance avec l'arbre de vie. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ce n'est pas par hasard qu'il a été invité. Ils savent pourquoi on l'a invité. Il n'est pas chrétien. Je ne raconte pas des histoires. Je ne raconte pas des bobards, je ne fais pas de la calomnie. Lui-même dit qu'il n'est pas chrétien. Il y a une des vidéos sur son site où il dit qu'il est kémite. Kémite. Révélation, je suis kémite. Je vous explique pourquoi. Et sur le thumbnail, comme on dit en anglais, l'image de publication, qu'est-ce que vous voyez? Les symboles magiques égyptiens. Il n'est pas chrétien. Lui-même, il y a 2 ans de cela, il révèle que voilà, il est kémite. Et les kémites, c'est la nouvelle religion des Africains, des africanistes qui rejettent tout ce qui est lié à Jésus-Christ. C'est aussi une autre branche du satanisme, du luciférianisme.
qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous avez vu des vidéos certainement par le passé qui vous ont choqué. C'est Kemit ou Kamit qui brûle des Bibles. Après ce numéro inqualifiable, l'hôte de l'Église des Noirs en Afrique, soutenu par les siens, s'adresse à l'assistance en ces termes. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard qu'il a été invité par ICC? Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cet homme qui a été invité chez ICC. Il n'y a rien de chrétien derrière ICC. Vous qui êtes abonné à ICC TV ou Impact Finance, peu importe tout leur réseau, leur application, etc., désabonnez-vous, désactivez-vous. Parce que vous êtes associé à l'astrologie, à la démonologie, à l'angélogie. Parce que derrière la Kabbale, derrière l'arbre de vie de la Kabbale, non seulement il y a l'astrologie, comme je vais vous le démontrer, il y a la démonologie, le culte des anges, l'angélogie, il y a la nécromancie, bref, c'est la rébellion contre Dieu au travers de la magie, au travers de ce que Dieu déteste. Il n'y a rien de chrétien. Voilà la boule de cristal qui sera divinée. Et on va voir les grandes choses. Je vais entrer en détail dans quelques temps sur les différents points, les dix points de cet arbre de vie. Les dix séphirotes. Les séphirotes, c'est les dix points de la Kabbale juive. Je vais entrer en profondeur et montrer chaque démon qu'on invoque qui est derrière cet arbre de vie. Je montrerai chaque démon. Et chaque démon a un nom. Et les castanets et autres les invoquent ces démons dans leur prière. Devant la boule de cristal. Les castanets invoquent ces démons. Nuit et jour, les castanets invoquent ces démons. L'arbre de vie de la Kabbale juive est représenté par 10 séphirotes. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Et chaque séphirote est associé à un démon qui transmet des énergies. En fait, les énergies circulent entre ces différentes séphirotes. C'est pour ça que vous voyez sur le logo mur, dans cette émission, l'arbre de vie, il y a des connexions entre ces séphirotes. C'est des boules. Ces boules sont des séphirotes. Elles sont interconnectées. Et chaque séphirote est associé à un démon. Je vais expliquer ça dans quelques instants, soyez patients. Chaque séphirote est associé à un démon. Et ils invoquent ce démon. Donc, ce n'est pas surprenant que les castanets et autres dans leur maison ont des boules de cristal devant lesquelles ils se prosternent pour invoquer les démons. Vous les voyez dimanche. Comme Castanou, ses poumons avec le micro, vous avez l'impression qu'il loue Dieu. Il ne loue pas Dieu. La Shekinah, on vous a montré dernièrement comment il invoque la Shekinah, comment il loue la Shekinah, comment il invoque la Shekinah. D'ailleurs, recevons encore cet épisode où il loue la Shekinah, qui est le démon mâle et femelle de la Kabbale juive. En passant, pour bien comprendre l'émission d'aujourd'hui, je vous encourage à aller suivre deux émissions précédentes. La première émission, c'est l'évangile franc-maçonnique d'Yvan Castanou, d'ICC, mise à nu des lois mentales. Vous entrerez encore en profondeur dans les choses que je développe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un autre aspect où j'exposerai chacun des démons sur ces séphirotes qui sont dans l'arbre de vie de la Kabbale juive qui est projeté dans cette émission d'Impact Finance. Mais il y a donc deux émissions que vous devez suivre. L'évangile franc-maçonnique de Yvan Castanou, d'ICC mise à nu, les lois mentales. Ça, c'est une émission que nous avons faite il y a 10 ans. Et la deuxième émission, c'est Révélation choquante sur la chute de l'écran géant
lors de la croisade de Kastanou-Tunassi à Kinshasa, au Congo RDC. Donc, voilà comment Kastanou fait de l'astrologie. Il invoque les démons. Ce n'est pas surprenant, non, comment, en pleine assemblée, il chante la Shekinah. Mes frères et sœurs, suivez-vous-même. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Terrible. La Shekinah, c'est le dieu mâle éphémère de la Kabbale juive. Même les juifs, les rabbis, le montrent. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. D'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme « Shekinah » comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament. Tout ce que je dis, c'est pour préparer vos cœurs, car il est écrit que lorsque la Shekinah devait descendre, Israël devait laver ses vêtements, Israël devait se purifier. Alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que j'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'église, et ce n'est même pas scriptural. Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale, et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Donc, revenons sur ce jeune sur votre écran qui avoue être un kémite ou un kamite qui croit aux divinités ancestrales africaines et au pouvoir des pharaons en Égypte. Ce monsieur est invité chez ICC et la vidéo que vous venez de suivre, c'est le secret qu'il expose. D'ailleurs, j'ai été inspiré à aller sur son site. Je ne savais vraiment pas qui était véritablement ce monsieur, ce jeune homme. J'ai été inspiré d'aller sur son site. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Presque toutes les vidéos parlent de manière subtile, subliminale, du secret. Secret des milliardaires africains sans diplôme. Le secret des Juifs pour être riches et dominer le monde. Les 7 secrets des Juifs pour être riches et dominer le monde. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse avant qu'on revienne sur la vidéo de ce jeune homme fondée sur le film Le Secret. Parce que partout c'est Le Secret, on va voir cela. Alors, j'ouvre cette parenthèse parce que qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est le secret des Juifs pour être riches et dominer le monde. Il y a un constat qui ressort, même avant de faire cette émission d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un mouvement de judaïsation des Africains. Vous voyez ces faux pasteurs qui
organise des pèlerinages, des croisades, des voyages sur le mur de Jérusalem. Et il y a une émission que nous avons faite précédemment, comment le mur de Jérusalem, c'est le veau d'or de la fin des temps. Vous voyez les musulmans qui vont se prosterner devant le mur de Jérusalem, les occultistes, les grands politiciens, des francs-maçons, des animistes, des prêtres vaudous qui vont se prosterner devant le mur de Jérusalem. Il y a dans cette mouvance internationale, cette vogue de voir les Africains se judaïser, vouloir imiter les Juifs, vouloir creuser le mystère de la richesse des Juifs, vouloir prendre part à ces mystères qui, soi-disant, donnent la richesse. En fait, nous allons voir les démons qui sont derrière, associés à chaque séphira ou chaque séphirote de l'arbre de vie, de la Kabbale ou l'arbre de mort. Sept secrets des Juifs pour être riches et dominer le monde. Les Juifs eux-mêmes enseignent ces secrets. Les Juifs eux-mêmes enseignent ces secrets. Nous allons flouter pour cacher les noms. Voilà, le secret de la réussite. Nous allons flouter parce que nous n'aimerons pas que vous allez suivre ces poisons. Voilà ce Juif qui fait 6 avec le signe de sa main. Secret des Juifs pour être riche. C'est les rabbins eux-mêmes, ils enseignent ces secrets. Donc ce que ce jeune enseigne, qui a été reçu par Impact TV, c'est la cabale juive. C'est la cabale juive. Vous voyez? Prospérité, secret de réussite. Voilà les Juifs eux-mêmes qui enseignent cela, qui enseignent des rabbins, des grands maîtres ésotériques, des grands magiciens, astrologues, nécromanciens, juifs, vous enseignent comment être riche. Et voilà ce que la plupart des Africains embrassent. Les pasteurs, les influenceurs qui n'ont rien à voir avec les pasteurs. Donc, nous venons de voir, à l'occasion de cette émission infâme d'Impact TV, que les influenceurs ou motivateurs ont quelque chose en commun avec les faux pasteurs comme Ivan Cassano. Ils ont quoi en commun? L'amour de l'argent, la possession par maman. Maman, c'est la principauté démoniaque qui amène les gens à être possédés par l'argent, être prêts à vendre leurs âmes. Ils ont la gloriole pour un temps, après ils meurent. Et nous allons vous montrer les démons de l'arbre de vie, la cabale juive, qui entraînent la mort prématurée de ces gens, de ces influenceurs qui font des pactes à Satan, qui font des pactes avec Satan. Donc partout, c'est les secrets. C'est le secret des Juifs pour être riches et dominer le monde. Vous voyez, secret de la réussite en 45 secondes. Le plan secret des BRICS pour détruire le dollar et l'Amérique. Tout, c'est le secret. Le secret de la richesse que seuls les milliardaires connaissent. Secret d'entrepreneur avec Kelly Massol. Bel secret, voilà. J'ai payé, etc. Vous voyez, avec une autre influenceuse. L'amour de l'argent est l'une des manifestations des prophéties de la fin des temps. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Voilà, les faux pasteurs dimovores, amis de l'argent, fanfarons, c'est-à-dire vantards, orgueilleux, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, etc., etc. La Bible dit que nous devons nous éloigner de ces gens. Voilà. Verset 5, ayant l'apparence de piété, comme Castanou, vous avez l'impression qu'il adore Dieu, loue Dieu, alors qu'il y a une abomination derrière. Verset 5, 2 Timothée chapitre 3, verset 5, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Que dit le Saint-Esprit aux vrais chrétiens? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, sœur en Christ, ou frère en Christ, chrétien qui prend ton salut au sérieux,
Fuis les faux pasteurs, les influenceurs, les motivationneurs ou motivateurs qui vous amènent à rechercher à être riche. En fait, ils vous donnent la crise cardiaque. Ils n'ont pas la paix. Moi, j'ai pitié de ce jeune homme qui est sur votre écran. Il n'a pas la paix. Si ce jeune homme était sérieux et honnête, il vous dirait qu'il dort peu, il n'a pas l'appétit. Tout c'est l'argent. Comment avoir de l'argent? Comment rendre son compte bancaire gras? Comment devenir influent? Comment amasser? La Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ce n'est pas possible d'être rassasié par l'argent. J'étais 100 dollars devant Donald Trump. Faites un prank à Donald Trump. J'étais 100 dollars, vous mettez une caméra cachée. Donald Trump va regarder, va ramasser les 100 dollars. Mettez 10 dollars même devant Bill Gates. Vous faites un prank. La piste où Bill Gates passe tous les matins pour faire son jogging. Mettez 10 dollars. Et mettez une caméra cachée. Il va ramasser les 10 dollars. On n'est jamais rassasié par l'argent quand on aime l'argent. Ceux qui aiment l'argent, leur intelligence est comme un abîme sans fond. Donnez-leur tout l'argent du monde. Donnez-leur tous les billets de banque, de toutes les réserves fédérales, les banques centrales, les banques nationales, de tous les pays du monde entier. Donnez-leur tout l'or de la Chine, tout le diamant de la compagnie BS en Afrique du Sud. Ils ne seront pas rassasiés. Voilà ce qui se produit quand on a l'amour pour l'argent. Un vrai chrétien ne cherche pas à se tourmenter pour s'enrichir. La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Il y a quelqu'un qui ment. Mais je sais que mon Dieu ne ment pas. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas. Ces gens qui vous prêchent à être riches, ils vous livrent des mots. Ils vous prêchent la crise cardiaque. Ils vous prêchent les insomnies. Ils vous prêchent le manque de paix, le manque de sommeil, le manque d'appétit. La Bible dit que le salaire du pauvre est agréable. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas si vous avez un toit. Vous pouvez vous vêtir convenablement. Vous pouvez vous déplacer. Vous avez une maison, un toit qui vous abrite des intempéries. Vous avez un matelas sur lequel vous couchez. Vous avez votre maison. Mais les gens qui veulent s'amasser, voir comment ils ont eu des milliards. Et leur vidéo, c'est quoi? L'homme le plus riche de tel pays. L'homme le plus riche de tel pays. L'homme le plus riche de l'Amérique. Tout cela. Venez dans ce pays, les États-Unis, et vous allez voir comment les riches sont malheureux. On va vous faire suivre les dernières paroles d'agonie de Steve Jobs sur son lit d'hôpital. Les paroles d'agonie. Il était sur le point de mourir. To conquer. He had an eye for... While a revolutionary product comes along, that changes everything. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? Stations, turn off your Wi-Fi, every notebook, I'd like them to put them down on the floor, and all of you look around, I'd like you to police each other. If you want to see the demos, shut all your laptops. My camera's not turning on. What's that? I did slide it and let go. Not turn it on. Here. Okay. I'm all for. Great. Can you elaborate? Give us any specifics? It's complicated. Steve! Oh my God! Call an ambulance. Steve! Thank you.
Je suis arrivé à l'apogée du succès dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est un exemple de réussite. Cependant, en dehors du travail, j'ai eu peu de joie. En fin de compte, la richesse est tout simplement un aspect de la vie auquel je me suis habitué. En ce moment, allongé sur le lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont rendu si fier de moi ont pâli et ont perdu tout sens devant la mort imminente. Dans l'obscurité, je vois les clignotants verts des appareils médicaux, entends leur ronflement mécanique et ne peux que sentir que le souffle de l'esprit de mort s'approche de plus près. Maintenant, je sais que lorsque nous avons accumulé suffisamment de richesses au cours de notre vie, nous devions poursuivre d'autres quêtes qui ne sont pas liées à la richesse. Cela devrait être quelque chose de plus important, comme peut-être les relations humaines. Peut-être l'art. Peut-être un rêve de jeunesse. La recherche illimitée de la richesse ne fera que transformer une personne en un être tordu, exactement comme moi. Dieu nous a donné l'intelligence pour ressentir la présence de l'amour dans le cœur de tout un chacun et non les illusions provoquées par la richesse. La richesse que j'ai gagnée dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne sont que les souvenirs résultant de l'amour. Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, vous accompagnent et qui vous donnent la force et la lumière pour continuer. L'amour peut voyager des milliers de kilomètres. La vie n'a pas de limite. Quel est le lit le plus cher du monde? C'est le lit de malade. Vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre voiture à votre place, pour vous produire de l'argent, mais vous ne pouvez engager personne pour tomber malade à votre place. Les biens matériels perdus peuvent être retrouvés, mais il y a une chose qui ne peut jamais être retrouvée quand on la perd, c'est la vie. Quand une personne entre dans la salle d'opération, elle se rendra compte qu'il y a un livre qui n'a pas encore fini de lire. C'est le livre de la vie saine. Quel que soit le stade de la vie où vous êtes à l'heure actuelle, vous ferez face au jour où le rideau tombe. Que l'amour pour votre famille soit votre trésor. L'amour pour votre épouse. L'amour pour vos amis. Prenez bon soin de vous. Aimez les autres. L'homme qui a inventé, entre guillemets, iPad, iPhone, le MacBook, qui est mort en laissant un grand yacht. Ces influenceurs pensent qu'ils ont leur vie entre leurs mains. Si Dieu bouchait la source qui leur donne le souffle dans leurs narines, ils s'étaleraient. La plupart des influenceurs sont morts. Ma prière, c'est que ce jour sur votre écran se repente et connaisse le vrai évangile. J'espère qu'il n'est pas tard pour lui. J'espère qu'il n'a pas pris le chemin satanique de non-retour. J'en parlerai dans quelques instants. Le chemin satanique de non-retour. Les castanets et autres ont pris ce chemin. Mais j'espère que ce jeune homme n'a pas pris ce chemin satanique, démoniaque de non-retour. Qu'il peut gagner sa vie honnêtement, avoir son métier, faire ses affaires honnêtement, mais ne pas chercher à être riche. Tout ça, c'est pour la cupidité, pour se faire voir, etc. Et je disais à l'enseignement de dimanche, et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons les enseignements par Zoom, où les vrais chrétiens se réunissent pour écouter la parole de Dieu qui change leur vie. Je disais que les vrais riches ne font pas le bruit.
Vous voyez les gens aujourd'hui sur Internet, voilà ma nouvelle maison, voilà ma villa, etc. Avez-vous déjà vu Zuckerberg ou le fondateur de YouTube où ils postent leurs vidéos, ou Zuckerberg, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook où les gens postent les vidéos, où font les lives? Avez-vous déjà vu Zuckerberg venir vanter sa richesse, venir montrer qu'il est riche? La Bible dit « Tel fait le riche et manque de pain. » Mais celui qui fait le pauvre a les grands biens. Un riche n'a pas besoin de venir dire qu'il est riche, de faire les séminaires, les conférences, d'être riche. Et ces influenceurs vont encore vous faire payer les séminaires. En fait, c'est eux que vous enrichissez. C'est eux que vous enrichissez, exactement comme les Castano. Exactement comme les Castano, c'est eux que vous enrichissez. Les Wafo, Castano, Tengue, Masolo Chinasi, ils vous font payer des croisades, des séminaires, des soirées de gloire au Zénith. On va revenir en passant sur soirée de gloire, qui est une manifestation de l'arbre de vie de la Kabbale. Il y a une séphira ou une séphirote qui est associée à la gloire. Donc ce n'est pas par hasard quand vous voyez ces pasteurs faire les nuits de gloire, il y a tellement de choses que vous allez voir. Soyez patient tout simplement. Vous voyez, ils font des séminaires payants. Je parle des faux pasteurs. Et même ces influenceurs aussi vous invitent au séminaire où ils vont vous montrer leurs secrets. Ils ont étudié les livres ésotériques par cœur. Ils ont mémorisé toutes les phrases du film Le Secret. Et viennent vous les répéter. Et vous êtes épatés. Et vous les suivez pour votre propre ruine. Yves Castanou a enseigné mot par mot. Nous avons juxtaposé les paroles du film Le Secret avec celles de Castanou, Yves Castanou. Il reprend mot pour mot, incroyable. Alors, retournons sur la page YouTube de ce monsieur qui ne parle que de secret, secret, secret. Alors, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Secret des entrepreneurs qui réussissent. Donc, tout c'est le secret. Devenir riche n'est pas magique. Ça, c'est faux. Nous allons lui démontrer. Il sait de quoi il parle. Il sait que c'est magique. Il sait, mais il ne peut pas vous le dire. C'est plus tard qu'il va vous le dire. Trois secrets sur l'argent, etc. Voilà le secret du succès de Kanye West. Kanye West qui a tué sa mère, qui a sacrifié sa mère lui-même. Il le dit, et aujourd'hui, Kanye West est fou. Tout le monde ici aux États-Unis sait que Kanye West est fou parce qu'il a sacrifié sa mère. Lui-même, il fait une vidéo. Il a fait un clip intitulé 666, intitulé 666. Où il dit « I sold my soul to the devil. » J'ai vendu mon âme au diable. 666, 666. Il y a un clip là-dessus. Et voilà Kanye West, qui est aussi dans la cabale juive, qui est pris en exemple par ce jeune homme qui a été invité par ICC. Tous ces grands de Hollywood, ces grands de ce monde, ils ont fait des pactes avec Satan. Voilà, voilà, tout c'est le secret, les 10 clés secrètes. Et parlons de secrets. Nous, chrétiens, nous savons que la parole de Christ n'est pas secrète. Le film Le Secret est contraire à l'Évangile. La page Facebook de ce jeune homme est contraire à l'Évangile. Pourquoi? Sur la base de Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. La parole ou la lumière de Jésus-Christ n'est pas secrète. Tout le monde voit. Verset 17. Car il n'est rien de caché qui doit être découvert, rien de secret qui doit être connu. Donc, quand il y a des choses secrètes que seuls des initiés
doivent connaître, c'est démoniaque, c'est satanique. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas secret. Donc, quand vous voyez secret, 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 il y a un problème. Allons dans Luc chapitre 11, verset 33. Luc chapitre 11, verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Voilà, lieu caché, lieu secret. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent dans la maison, ceux qui entrent, voient la lumière. Voient la lumière. Voilà, mes frères et sœurs. Et vous avez aussi le chapitre 12, Luc chapitre 12, qui dit « Il n'y a rien, rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. » C'est pourquoi tout ce qu'on vous dit, ça c'est Luc chapitre 12, verset 3, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Donc quand les pasteurs vous enseignent, les influenceurs encore, il n'y a pas de problème, ils ne connaissent pas Dieu. Et si je parle même de ce jeune homme, c'est de manière incidentale, c'est de manière accessoire, parce qu'en fait, c'est Castano que je dénonce. Et je suis choqué que ceux qui pensent que Castano est un pasteur, mais qui s'associe à un autre kabbaliste, à un kémite, pour faire des émissions de motivation financière, d'influence financière, c'est terrible. Alors, terminons sur quelques autres aspects, mes frères et sœurs, de cet homme. Justement, qu'est-ce qu'on voit là? De secrétaire à milliardaire, c'est le secret de la femme la plus riche du monde. Une femme qui est plus riche qu'Oprah Winfrey. Voilà donc comment ce monsieur prend Oprah Winfrey, l'une des femmes les plus riches des États-Unis ou du monde, pour modèle. Et dans quelques instants, vous allez suivre une vidéo où Oprah se moque de Dieu et insulte le Seigneur Jésus-Christ. Il se moque de Dieu et insulte le Seigneur Jésus-Christ. Voilà des personnes qui ont tourné le dos à Dieu, qui ne font aucun cas de Dieu, qui pensent qu'ils sont devenus justement eux-mêmes Dieu, comme la Kabbale l'enseigne. Ils ne font aucun cas de Dieu. Et les voilà qui sont les hommes les plus riches du monde. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché, c'est-à-dire sans succomber à la tentation. Allez lire Matthieu chapitre 4, au Luc chapitre 4, Satan montre toute la richesse de la terre, toute la gloire, Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Si tu m'adores, le Seigneur Jésus a résisté, a dit, rien de moi Satan, tu ne me séduiras pas par tes richesses. Un vrai chrétien doit marcher sur les traces de Jésus-Christ. Si vous voyez un chrétien commencer à être séduit par les richesses, il a fait naufrage par rapport à la foi. Nous devons être sensibles à la richesse. Nous nous suffisons de ce qui est nécessaire pour notre entretien, l'entretien de notre maison, de nos enfants. Et peut-être avoir de côté pour nos vieux jours. Et j'encourage les jeunes gens à mettre de côté, de ne pas manger tout leur salaire, de mettre de côté. C'est sage, même la Bible nous enseigne cela. Mais vouloir s'enrichir, ce n'est pas un standard de chrétien. Si vous voulez suivre les gens qui vous amènent à l'enfer, suivez-les. Mais je prêche pour ceux qui recherchent vraiment à être sauvés et aller au ciel. Donc voilà quelqu'un qui prend Oprah Winfrey pour exemple. Et ce n'est pas par hasard. Oprah Winfrey a été invitée par Joel Osteen, l'un des pasteurs kabbalistiques des États-Unis, qui atteint le haut sommet de la pyramide de la Kabbale juive, outre de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Joel Osteen, comme les Américains appellent Joel Osteen, Oprah est invité chez Joel Osteen dans une séance de mise en pratique des exercices magiques de la Kabbale juive. Suivez-vous-même.
Vous savez, je déclare que si vous faisiez des déclarations pendant 31 jours, votre vie changerait. C'est pour ça que tu l'as fait, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Un jour par mois, et vous savez, vous pourriez continuer à les faire, mais c'est un bon début. Vous pouvez regarder l'intégralité du sermon « Je suis » du pasteur Joël. Nous l'avons sur oprah.com. Dernière pensée de vous, pasteur Joël? Eh bien, je pense qu'il est extrêmement important de ne pas dire des mots négatifs sur vous-même, sur votre famille, vous savez. Cela peut vous venir à l'esprit, mais ne donnez pas vie à vos mots en les prononçant. Ne dites jamais rien de négatif sur vous-même. Vous pourriez le penser, mais vous savez, taisez-le et faites des déclarations positives. Cela prend du temps, parce que la fois où j'ai entendu le sermon « Je suis », je vous dis ce qu'il a fait, et j'espère que c'est ce qui va arriver à vous tous qui regardez, qui êtes ici, si vous commencez à vous rattraper. Parce que, vous savez, quel que soit votre âge, vous avez l'habitude de vous gaver d'audio négatif, mais moi aussi. Ainsi, lorsque vous vous surprenez à le faire pour la première fois, vous le changez, et cela demande de la pratique. C'est pourquoi je déclare cette déclaration pour vous aider à mettre en pratique. Absolument. Ce n'est pas quelque chose à faire quand tu sors en public. Tu te lèves le matin, tu prends une douche, tu conduis pour te rendre au travail. Tu sais quoi, Seigneur? Merci, je suis fort. Je prends de bonnes décisions. Je suis en bonne santé. Juste des choses simples comme ça. J'attends mon avenir avec impatience. J'attends mon avenir avec impatience. Pourriez-vous nous présenter quel que je suis aujourd'hui? Absolument. Pouvons-nous rester debout? Très bien. Répétez après moi. Je suis fort. Je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis confiant. Je suis confiant. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis talentueux. Je suis talentueux. Je suis créatif. Je suis créatif. Je suis discipliné. Je suis discipliné, je suis concentré, je suis concentré, je suis précieux, je suis précieux, je suis belle, je suis belle, je suis béni, je suis béni, je suis excité pour mon avenir, je suis excité pour mon avenir, je suis victorieux, je suis victorieux. Très bien. Que diriez-vous d'un amen? Terrible. Voilà la voie large dont parle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que sont devenus les soi-disant églises ici aux États-Unis. Tous les dimanches, les femmes qui sont habillées comme les prostituées avec la poubelle sur les faux cheveux qu'on sacrifie aux démons qui viennent de l'Inde. On passe le temps à confesser, de faire des confessions positives. Qui ne sait pas que Dieu l'ostine ici aux États-Unis, c'est un grand franc-maçon. Même les gens du monde, c'est même les non-chrétiens qui ont le discernement plus que les chrétiens. Donc voilà Oprah qui est pris pour modèle par cette jeune invitée de Castano. La salle remplie de personnes pleines de cupidité. En fait, les faux pasteurs, cupides, vampireux, escrocs, sont la punition de Dieu. Ces gens qui sont dans la salle ne savent pas que, en fait, les Joel Osteen, T.D. Jakes, Kenneth Copeland et la bande des criminels Benny Hinn, criminels évangéliques et vampires évangéliques, Benny Hinn qui fait le Kundalini, outre la Kabbale juive aussi, Benny et autres, tous ces pasteurs, superstars, milliardaires, ils sont nombreux au Nigeria, je les dénonce depuis des années. Il y a même un que j'ai dénoncé depuis des années, qui est mort récemment, Tibi Joshua, l'un des pasteurs les plus riches. Il a laissé ses milliards. Il a laissé ses milliards. Voilà, mes frères et sœurs. Tout ça, c'est passager. Voilà la voie large. Peu, très peu, sont ceux qui ont trouvé l'évangile pur et original de vie que je vous enseigne. Tout ça, c'est les déclarations. Et vous avez vu, cette sorcière d'Oprah, elle fait partie d'une organisation qui fait venir des moines hindouistes ou bouddhistes pour se concentrer dans des grandes salles ici aux États-Unis. 24 heures sur 24 heures, ils doivent prier des énergies sur les États-Unis. Je crois que j'avais dénoncé ça il
il y a 10 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, elle fait venir des gens qui se concentrent pour prier, pour invoquer les énergies sur les États-Unis, en fait, attirer les démons. Ils ont le visa américain facilement et finalement, ils viennent ici, on leur donne la nationalité plus tard. Leur travail, c'est 24 heures sur 24 heures. Ils sont assis dans les positions, dans les chakras, les positions de lotus, du yoga, les yeux fermés, en train de faire ce qu'on appelle en anglais « chanting », faire des psalmodies à longueur de journée, respirer, aspirer, faire l'inspiration, souffler pour attirer des énergies. Oprah qui se moque de Dieu. D'ailleurs, suivons quelques séquences de comment Oprah se moque de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Terrible. Je suis très connectée à mon GPS interne, à la voix. Je suis en contact avec Dieu, la voix de Dieu. En fait, tu as dit, Dieu, si tu penses que je suis censé me présenter aux élections, tu dois me le dire. Et ça doit être tellement clair que moi-même, je ne puisse pas le rater. Oui, c'est vrai, tout à fait. D'accord, eh bien, je suppose que c'est réglé alors. Oprah, Steve, quoi de neuf? Hey, Dieu! C'est Dieu, tout le monde, applaudissons le Seigneur. Bonjour tout le monde, j'ai juste craché mon chewing-gum. Désolé pour ça, Oprah, je m'excuse. Dieu passe nous voir de temps en temps, c'est un fan. Puis-je t'aider, Seigneur? Je suis en train de parler à quelqu'un d'important. Oh, je sais, Steven, je suis un grand fan. C'est génial à entendre, je suis aussi une grande fan à toi, Dieu, vraiment. Wow, Oprah sait qui je suis. J'ai hâte de le dire à Jésus, c'est trop cool. Tu sais, Dieu, je ne veux pas te presser, mais y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à Oprah? Oh oui, j'entends que tu cherches un signe. Eh bien, est-ce assez clair maintenant? Prends ton temps. Prends ton temps, j'ai été ici pour l'éternité. Tout ce que je peux dire, Dieu, c'est que courir fait maintenant partie de mon sport quotidien. Comment puis-je rendre cela plus clair, Oprah? Oh, je sais. Oprah Winfrey, 2020. Oui, elle peut. Il y a une seule voie et une seule voie seulement, et c'est par Jésus. C'est impossible. Ça ne peut se faire. Parce que tu dis qu'il n'y en a pas. Parce que tu dis, écoute, tu intellectualises et tu dis qu'il n'y en a pas. Si tu ne crois pas cela, tu tombes dans le piège des mensonges. Penses-tu que si tu es quelque part sur la planète et que tu n'entends jamais le nom de Jésus, que tu vis avec un cœur aimant, que tu vis comme Jésus t'aurait demandé de vivre, que tu vis dans le même but pour lequel Jésus est venu sur cette planète pour nous enseigner à tous, mais tu es dans une partie éloignée de la terre et que tu n'as jamais entendu le nom de Jésus, tu ne peux accéder au paradis, tu penses? Cela aussi est enseigné dans les Écritures, les gens sont instruits à ce sujet. Dieu connaît le cœur, Dieu se soucie du cœur. Où se soucie-t-il de savoir si tu appelles son fils Jésus? Eh bien, Oprah, tu sais, Jésus ne peut pas revenir tant que cet évangile n'aura pas été prêché aux quatre coins de la terre. Tu dois le comprendre. D'accord, je ne peux pas me lancer dans une argumentation religieuse avec toi. Voilà. Voilà donc cette Oprah qui se moque de Dieu. Et cette Oprah qui est prise en exemple par des soi-disant chrétiens. Tout ce qu'il y a derrière le secret, c'est le satanisme. Nous allons maintenant entrer en profondeur dans le décortiquage, le décryptage des mystères ésotériques derrière cet arbre de vie ou arbre de mort qui défile sur votre écran. Cet arbre de mort, comme vous pouvez voir, a 10 composantes et nous allons mettre à nu chacune de ces composantes. Chacune de ces composantes, vous pouvez compter vous-même, 10 composantes. Chaque composante est liée
à une puissance démoniaque, à un démon, à une divinité satanique spécifique. Alors, voilà le titre d'un ouvrage, d'une étude, La théomorphose des 10 séphirotes en dieu vaudou. Nous avons été surpris de voir un pendentif de Bouddha associé à l'arbre de vie ou l'arbre de la mort. Et voilà aussi comment le vaudou est associé à la Kabbale juive. Le monde ésotérique, mystique de Satan n'a pas de barrière raciale, géographique, ethnique, religieuse, idéologique, politique. C'est un même monde. Nous avons donc les 10 manifestations de l'énergie ou de la puissance de Satan dans l'arbre de vie, ou plutôt l'arbre de la mort, de la Kabbale ou magie juive. Vous voyez donc ces 10 séphirotes, vous voyez au-dessus, 1, à gauche de votre écran, vous voyez 1, Keter, 2, Hokma, 3, Bina, 4, Hesed, 5, Jevura, 6, Tiferet, 7, Netza, 8, Hod, 9, Yesod, 10, Malkuth. Alors, commençons par le 1. Keter, c'est la couronne de Satan. Dans quelques instants, nous allons voir les démons qui sont derrière chacune de ces 10 manifestations de l'énergie. Ces 10 séphirotes, c'est-à-dire les points, les cercles dans l'arbre de vie ou l'arbre de la mort, ces 10 séphirotes sont interconnectés par des chemins qui représentent les différentes voies par lesquelles l'énergie satanique peut circuler à travers l'arbre de vie ou plutôt l'arbre de mort. Donc nous avons un au-dessus, Keter ou couronne de Satan. C'est la toute première séphira ou séphirote, la plus haute de l'arbre de vie ou plutôt l'arbre de mort, représentant la fausse pureté de Satan et sa volonté satanique sur ceux qui le suivent. Nous avons la deuxième séphirote ou séphira, Hokmah, qui est la fausse sagesse de Satan, la fausse sagesse de Satan. Cette deuxième séphira représente la fausse compréhension, la fausse intelligence, la fausse sagesse que Satan donne à ses disciples. Nous avons en troisième position Bina, qui est la fausse intelligence de Satan. Cette troisième séphira est associée à la fausse intelligence et à la fausse compréhension intuitive que Satan donne à ses disciples. En quatrième position, nous avons Hesed. C'est la fausse miséricorde de Satan. Et dans le monde de Satan, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié dans le monde de Satan. La quatrième séphira représente la fausse miséricorde, l'amour et la compassion mensongère que Satan miroite à ses disciples, à ceux qui le suivent. La cinquième composante de l'arbre de vie ou l'arbre de mort, c'est Gevura ou Gebura ou Gevura. C'est la fausse puissance. Il n'y a de puissance qu'en Dieu. Toute puissance qui est en dehors de Dieu et en dehors du Seigneur Jésus-Christ n'est qu'illusoire. Donc c'est la fausse puissance, c'est la puissance illusoire. Donc cette cinquième séphira est associée à la fausse force de Satan et à la fausse justice de Satan. En sixième position, nous avons la Tiferet, qui est la beauté illusoire de Satan. Cette sixième séphira représente cette beauté factice de façade illusoire de Satan, telle que décrite en Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Et cette composante de l'arbre de vie, la sixième séphira, c'est aussi l'harmonie et l'intégration mensongère de Satan. Nous avons en septième position la Netza, qui est la fausse éternité de Satan. Il n'y a pas d'éternité véritable pour Satan en dehors de l'enfer. L'éternité de Satan, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Les adeptes de la Shekhinah, de l'âme de vie, de la Kabbale juive, pensent qu'ils ont une éternité avec Satan dans un paradis imaginaire. Dans un paradis imaginaire, mais c'est les temps de feu, le lac de feu et de soufre, qui ne s'éteindra point. Donc, la Netza, c'est la fausse éternité de Satan. Cette septième séphira est liée à l'éternité
la victoire mensongère de Satan, la persévérance qu'il attend de ses disciples. Et je vous assure, les disciples de Satan sont plus persévérants que nous les chrétiens. Nous avons la huitième composante de cet arbre de mort, arbre magique, la huitième manifestation, c'est Hod, qui est la fausse gloire de Satan. La huitième séphira est associée à la gloire que Satan offre à ses disciples, à sa splendeur et à sa fausse humilité. D'ailleurs, voilà d'où viennent les croisades nuit de gloire de Castanou, Tunassi et consorts. D'ailleurs, nous y reviendrons dans quelques instants. Et en neuvième position, nous avons la Yesod. La Yesod, c'est le faux fondement de Satan. Le seul fondement, la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il n'y a pas de pierre angulaire, il n'y a pas de fondation en dehors de Jésus-Christ. La neuvième manifestation, Yesod, c'est le faux fondement. Cette neuvième séphira représente la fausse stabilité et les faux dons de communication ou d'éloquence. Les faux dons de communication ou d'éloquence que Satan offre à ses disciples. Enfin, nous avons la Malkuth. Donc, on a commencé par le 1 au sommet, la Keter. Et au bas, c'est Malkuth. Malkuth, c'est le royaume illusoire de Satan. Cette dixième et dernière séphira est le royaume, la manifestation de Satan dans le monde matériel. Vous comprenez donc, frères et sœurs, d'où vient l'évangile du Kingdom Now, ou royaume maintenant, véhiculé par Castanou et consorts, Castanou et acolytes. Jésus-Christ, PV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais encore aller en profondeur dans cet arbre de vie pour vous montrer chaque démon qui est associé. Je ne sais pas si on peut retourner sur cette page en commençant par le premier symbole ou première manifestation de l'énergie satanique, Keter. Il y a un démon derrière Keter. Ce démon s'appelle Métatron. Métatron est le démon derrière cette séphira. C'est un des chefs des anges déchus. En fait, cette séphira est en relation avec la planète Neptune dans le zodiaque et donne aux kabbalistes des pouvoirs astrologiques de nécromancie et de divination. Le démon Métatron est aussi celui qui a transmis la kabbale aux juifs pour les aider à découvrir leur destinée. Vous voyez, ces faux pasteurs parlent de destinée. Quand ils prêchent ma destinée, vous allez découvrir votre destinée. Donc le démon Métatron est celui qui a transmis la Kabbale aux Juifs pour les aider à découvrir leur destinée et à reconnaître la présence de Satan partout sur la terre. Vous vous rappelez quand Satan s'est présenté devant Dieu en Job chapitre 1, Dieu lui a demandé « D'où viens-tu Satan ?» De parcourir la terre, de me promener, de me balader, de parcourir la terre. Pour recevoir l'énergie du démon Métatron, il est nécessaire pour les kabbalistes d'expérimenter l'éveil spirituel ou le réveil qui passe par des expériences ésotériques telles que la sortie du corps ou la projection astrale. Nous passons au deuxième symbole de l'arbre satanique de la kabbale juive, ce symbole qui est Ogma, et le démon derrière ce symbole s'appelle Ia. Il est sous la gouvernance d'un autre démon appelé Raziel. Raziel est un autre chef de l'ordre des anges déchus ou Rou. Cette séphira est associée au zodiaque et à Uranus. Uranus, Vénus, Neptune, Saturne, c'est des noms de divinités sataniques. Et vous voyez justement dans Actes chapitre 14, quand Paul et Barnabas se sont rendus à Lystre, ont guéri miraculeusement un boiteux, un impotent de naissance. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. La foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Des dieux sont venus vers nous, des dieux sous forme humaine. » Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Voilà donc la preuve que Jupiter, Mercure, Vénus, Saturne, Uranus, Pluton,
C'est des divinités dans le zodiaque et ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'Istre, chez les Lycaoniens, ils adoraient déjà ces divinités du zodiaque qui sont associées aujourd'hui avec la Kabbale juive. Voilà comment, à Actes chapitre 14, à la suite de ce miracle, la foule émerveillée pense que Jupiter et Mercure sont descendus sur Terre. Ils prennent Barnabas pour Jupiter, ils prennent Paul pour Mercure, parce que c'est Paul qui prêchait la parole de Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Donc retournons sur Raziel, le démon derrière le deuxième symbole de la Kabbale juive, qui est Hogma, c'est un autre chef de l'ordre des anges déchus, ou roue, comme la roue d'une voiture. Cette séphira est associée au zodiaque et à Uranus. Le démon Raziel aide les kabbalistes à développer leur capacité intellectuelle, leur imagination et leur intuition. En fait, c'est la fausse intelligence de Satan. C'est pour ça que les gens de ce monde, les grands scientifiques, les grands médecins, les grands inventeurs, ils pensent qu'ils sont intelligents. Voilà le démon qui est derrière. C'est le démon de la deuxième séphira de l'arbre de la Kabbale juive. Ce démon donne l'intelligence. Et ce démon leur transmet ses capacités intellectuelles au travers d'une fausse lumière satanique qui est argentée et contient toutes sortes de couleurs. Nous passons maintenant au troisième démon qui est associé à la troisième séphira de l'arbre de vie ou l'arbre de la mort de la Kabbale. Ce troisième symbole qui est Bina. Et le démon qui est derrière le symbole Bina, le troisième symbole, l'arbre de vie de la Kabbale, ce symbole énergétique satanique de la Kabbale juive, le troisième symbole Bina, comme vous avez vu dans l'arbre de vie, le démon qui est derrière ce troisième symbole s'appelle Tzavkiel. Cette séphira est associée à Saturne. Saturne dans le zodiaque. Ce démon donne aux kabbalistes un faux pouvoir de discernement au travers des yeux magiques comme le troisième œil, qui est en réalité la divination utilisée par les faux pasteurs kabbalistes. La couleur qui lui est associée est la couleur noire. Voilà comment ce démon Tzavkiel donne un faux discernement, un pouvoir de divination. Et d'ailleurs, on a montré les faux pasteurs comme Domoro, qui peut voir ce que vous avez dans votre sac. Il prêche avec la main dans la poche. Il voit ce que vous avez dans votre sac. Il peut vous dire tout ce que vous avez dans votre sac. Et c'est le cas aussi avec cet homosexuel PD, Joël Tatou, qui peut faire la divination. Et Joël Tatou, en passant, est expert dans l'étude des démons, en fait la démonologie, l'angélogie. Mes frères et sœurs, je n'expose pas ces choses pour que vous ayez un intérêt à les découvrir. Dieu m'a fait grâce de comprendre les mystères de Satan, les profondeurs de Satan, dont Jésus-Christ parle dans le livre d'Apocalypse. Dieu m'a fait grâce de comprendre, d'entrer en profondeur, de comprendre ces choses, afin de pouvoir dénoncer les œuvres sataniques, les exposer à mes frères et sœurs au monde entier, afin que les gens comprennent à quel point ces faux pasteurs sont sataniques et dangereux, très dangereux. Voilà les démons qui sont en train de louer. Donc le démon Tzavkiel, de la troisième séphira, qui est la séphira Bina, c'est lui qui est derrière le discernement, il donne le discernement. En fait, c'est le don de divination qui vous ouvre le troisième œil. Nous passons maintenant au quatrième symbole de l'arbre de vie ou l'arbre de mort de la Kabbale, qui est Hesed. Et le démon associé à Hesed s'appelle Tzadkiel. Tzadkiel et gouverne l'ordre démoniaque des dominations. C'est lui qui est derrière l'évangile diabolique de régner maintenant. Gouverner, dominer, bref, le dominionnisme. Cette séphira est liée à Jupiter. Dans Actes chapitre 14, au verset 12, justement, qu'est-ce qu'on a vu? Les gens de l'Istre, les Lycaoniens, à cause du miracle qui s'était passé, ont appelé Barnabas Jupiter. Ont appelé Barnabas Jupiter. Vous pensez que c'est par hasard? C'est pas par hasard. Voilà comment la Bible nous expose les mystères de la Kabbale. Donc la Kabbale juive était déjà quelque chose de prêché par les satanistes. Au temps de Paul de Barnabas, j'imagine comment Paul a affronté les kabbalistes.
Et c'est le travail que je continue aujourd'hui, 2000 ans plus tard, plus de 2000 ans plus tard, exposer les mystères de Satan, de la Kabbale juive. Dans cette quatrième partie, ce quatrième cercle de l'arbre de vie qui est appelé Hesed, le démon Tzadkiel, c'est lui qui est derrière, justement, le dominionisme, l'évangile de régner, dominer. Et il est associé à qui? Il est associé à Jupiter, le dieu, entre guillemets, en fait, le démon, à qui, étrangement, Barnabas a été associé. Et ils ont fait les bandelettes, ils ont même apporté un taureau pour pouvoir sacrifier le taureau, parce qu'ils pensaient que Mercure et Jupiter, c'est-à-dire que Barnabas, qui pensait être Jupiter, et Paul, qui pensait être Mercure, pensant que c'est les dieux qui sont descendus, les prêtres ont fait les bandelettes. Le prêtre de Jupiter, l'ancêtre des kabbalistes d'aujourd'hui, Ivan Casson et autres, le prêtre de Jupiter fait les bandelettes, apporte un taureau pour sacrifier. Paul et Barnabas se sont écriés, ils ont déchiré leurs habits, outré qu'on les prenait pour Dieu, pour des dieux. Aujourd'hui, les Castellanos et autres vous enseignent à être Dieu, à être des créateurs. Ils ont embrassé la Kabbale juive. Voilà ce qu'il y a derrière, mes frères et sœurs. Nous vous ouvrons les yeux. Quand je vous dis que ces pasteurs sont dangereux, ils sont dangereux, ils sont en plein dedans. Ils ont pris un chemin de non-retour. Alors, continuons avec quelques détails sur ce démon Tzadkiel. Ce démon Tzadkiel, à ne pas confondre avec celui qu'on a vu précédemment, Tzadkiel, celui-là c'est Tzadkiel. Ce démon Tzadkiel aide les kabbalistes à prendre conscience qu'ils sont des dieux, qu'ils peuvent devenir des créateurs comme Dieu. Voilà ce qu'enseignent les Castanous. Vous êtes des dieux. Vous êtes des créateurs, vous pouvez créer, vous pouvez être des dieux. Vous pouvez créer votre destinée. C'est pour ça que Makoso, qu'on traite de fou, qui passe pour fou aujourd'hui. Voilà Makoso dernièrement, c'est Makoso qui passe pour fou devant plusieurs personnes. Parce que la Bible a prophétisé que leur folie sera manifeste devant tous. Makoso est venu faire une vidéo pour dire que je n'ai pas besoin d'attendre Dieu. Je suis moi-même Dieu. Je suis moi-même ma destinée. Je n'attends pas le temps de Dieu. Je suis moi-même dans mon temps. C'est terrible, mes frères et sœurs. Le cinquième symbole de la Kabbale ou magie juive, de l'arbre de vie, de la Kabbale juive ou magie juive, le cinquième symbole, c'est Geboura ou Gevura. Geboura ou Gevura. Le démon associé à ce cinquième symbole s'appelle Kamael, qui dirige l'ordre des anges déchus, appelé enflammé, puissance enflammée. C'est lui qui dirige cet ordre des anges déchus. Cette séphira est liée à Mars dans le zodiaque. Vous voyez, Mars, Jupiter, Mercure, Pluton, c'est les divinités sataniques. Geboura représente la rigueur satanique et symbolise la puissance, la force et l'intransigeance. Ce démon aide les kabbalistes à mener leur projet avec succès au prix de leur sang, le sang qu'ils offrent à ce démon plus tard. C'est-à-dire que leur mort. Ce n'est donc pas étonnant que la couleur associée à ce démon est rouge. Est rouge. Ce démon amène les gens à faire des pactes avec Satan pour être riches. C'est pour ça que vous voyez les gens, après avoir fait un pacte, ils meurent quelques temps après. Comme Tchabnip, ce jeune influenceur qui faisait la fanfaronnade sur les réseaux sociaux, qui avait une voiture rutilante bleue, objet de sa fanfaronnade, de sa vandalisme, et il est mort écrabouillé dans cette voiture. On en a parlé il y a quelques semaines. Et voilà les choses que nous dénonçons. Comment les jeunes gens font des pactes avec Satan. Et le démon de la Kabbale juive associé à la cinquième branche de l'arbre de vie de la Kabbale juive, Geboura, ce démon Kamael, dont la couleur est rouge, c'est lui qui est derrière les sacrifices de sang. Ce démon Kamael amène aussi les kabbalistes
sataniste a versé le sang des autres pour la richesse, pour la gloire. Vous avez vu par exemple dernièrement dans cette émission où je dénonçais cette catastrophe de l'écran géant qui est tombé lors de la croisade équilibre franc-maçonnique, croisade équilibre franc-maçonnique de Tunassi, Marcelo Tunassi, Grégory Toussaint, Mahomet Sanogo, Ivan Kassanou. Lors de cette croisade où l'écran géant est tombé, qu'est-ce que nous vous avons montré? Ils sont assis sur un tapis rouge. Voilà la manifestation de ce démon Kamael. Voilà la manifestation de ce démon Kamael. Vous voyez comment? Regardez comment ils sont assis. Dans un carré. Ils sont assis sur un carré, sur un tapis. Regardez comment ils sont assis. Regardez comment ils sont assis sur un tapis rouge. Voilà la manifestation de ce démon. La cinquième branche ou le cinquième symbole de la Kabbale juive Geboura, le démon associé à Geboura, c'est Kamael qui fait verser le sang. Vous versez le sang des autres et plus tard votre propre sang sera versé. Vous allez être tué et vous irez à l'enfer plus tard. Nous passons maintenant au sixième symbole qui est Tiferet. Tiferet. Le démon derrière cette séphira s'appelle Elohat. Il est à l'origine de l'évangile diabolique de la prospérité en promettant à ceux qu'il adore l'abondance, le succès, la guérison en échange de leur âme. Cette séphira Tiferet est liée au soleil et est associée à la lumière jaune de l'astre solaire. C'est pour cela que vous voyez ces pasteurs qui ont les symboles du soleil. Vous voyez par exemple le faux pasteur Paul Mukendi qui a été poursuivi en justice pour avoir violé des enfants dans son église d'épicerie. Et il est fugitif, il est en cavale, il est en cavale. Il s'est réfugié au Congo, à son Congo RDC natal. Et voilà, mes frères et sœurs, la manifestation associée à Paul Mukendi, le démon Eloah, le démon Eloah qui est associé au soleil. Vous voyez le symbole du soleil dans leur temple. Vous pensez que c'est anodin? Leur église a le symbole du soleil. C'est la même chose avec ce faux pasteur camerounais que j'avais dénoncé dans son propre temple en 2017 au Cameroun, Julius Ekié, un anglophone camerounais à Yaoundé, qui a une église épicerie, qui a une église où des morts sont enterrés. Il a sacrifié des gens sur l'autel où il prêche. Et voilà comment il est associé aussi à cette divinité Eloah de la sixième branche de la Kabbale, Tiferet. Ce démon Eloah, il est associé au soleil, que les Égyptiens appellent Ra, que les Égyptiens adoraient. Vous voyez comment la Kabbale juive est interconnecté, on a vu avec le bouddhisme, avec le vaudou, avec les musulmans, comme on va voir tout à l'heure, le croissant lunaire, parce qu'il y a une séphira ou une séphirote qui est aussi associée à un démon lunaire, le croissant lunaire des musulmans. Donc il y a une interconnexion entre le vaudou, l'islam, l'hindouisme, le yoga, le bouddhisme. Il y a une synergie. Même avec les divinités adorées dans l'Égypte ancienne, les divinités démoniaques adorées dans l'Égypte ancienne que la franc-maçonnerie a reprise. Donc, ce sixième symbole, Tiferet, ou sixième branche, ou sixième cercle, Tiferet, est associé à ce démon Eloah, comme je le disais, qui est à l'origine de l'évangile diabolique de la prospérité, il promet à ceux qu'il adore abondant succès, guérison, en échange de leur âme. Et cette séphira, qui est appelée Tiferet, associée au démon Eloah, est liée au soleil. Nous passons à la septième branche ou septième symbole, qui est Netsa. Le démon associé à cette septième séphira s'appelle Haniel, qui est lié à Vénus.
Ouais, Neptune, Jupiter, Mercure, Vénus, est lié à Vénus, ou démon de l'amour dans le zodiaque, et est représenté par la couleur émeraude. C'est lui que les faux pasteurs invoquent pour donner des faux mariages à leurs ouailles. C'est pour ça que le bandit évangélique, comment il s'appelle, Camden Dieu ne dort, ou bien Maman ne dort, a fait un séminaire au Canada où il promettait les maris aux femmes en 6 mois, avec certitude, en 6 mois. Voilà le démon qui est derrière, associé à Vénus, la divinité satanique de l'amour. Quand ces faux pasteurs comme Camden Dieu ne dort ou Camden Maman ne dort promet aux femmes envoûtées, chargées de péché, leur promet un mari en 6 mois. Venez payer, il y aura une convention, vous aurez votre mari en 6 mois. C'est Haniel qu'ils invoquent, c'est Haniel. Voilà le démon qui est derrière. Ils invoquent Haniel, ils vous donnent des maris ou des femmes inspirées par les démons. Et quelques mois plus tard, ce mari que vous avez eu à cause de Haniel, cette femme que vous avez eue à cause de Haniel, va transformer ton foyer conjugal à un véritable enfer sur terre. Nous passons au 8e symbole. Le démon derrière cette séphira est Sabaoth. Cette séphira est liée à Mercure dans le zodiaque. Hoth est la séphirote qui représente la gloire. C'est pour cela que vous avez ces croisades de nuit de gloire des Castanou, Tunassi et consorts. Nuit de gloire, nuit de ceci, les Castanou et autres. Et la couleur de ce démon, c'est le jaune. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que l'arbre de vie dans cette émission que vous êtes en train de voir, vous pensez que c'est par hasard que cet arbre de vie est jaune? Ça, c'est la manifestation du démon derrière le 8e symbole, Hoth, le démon Sabaoth. Et ce démon est un démon usurpateur, parce qu'il prend aussi le nom d'Elohim. Elohim Sabaoth, il usurpe le nom de Dieu. C'est un démon usurpateur. C'est un démon usurpateur et c'est aussi le démon qui amène les pasteurs à porter le nom de révérend. Le nom révérend, c'est un nom qui revient à Dieu. Le nom révérend, c'est un nom qui revient à Dieu et à Dieu seul. C'est un nom qui revient à Dieu et à Dieu seul. Vous voyez, Psaume 111, verset 9. His name is reverend. His name is reverend. La Bible King James. C'est dommage que la Bible, lui, second, a traduit par redoutable. Lui, second, traduit Psaume 111, verset 9 par redoutable. Le nom de Dieu est redoutable. Son nom est redoutable. Mais la Bible anglaise, la première Bible qui a été traduite dans une langue non antique, c'est-à-dire une langue qui n'était pas dans l'Antiquité, comme le grec, l'araméen, l'hébreu, la première Bible traduite dans une langue qui est autre que le grec, l'hébreu, l'araméen, c'est la langue anglaise. La première Bible, c'était King James. Et dans King James, dans Psaume chapitre 111, verset 9, il a dit « His name is reverend ». Son nom, c'est révérend. Donc, le démon Elohim Sabaoth, qui est associé à la 8e séphira, ce démon Sabaoth Elohim, c'est un démon usurpateur. C'est lui qui amène les pasteurs qui inspirent par le nom de révérend. Castanou, le franc-maçon kabbaliste, commence par pasteur. Après, lui-même se fait la promotion apôtre. Et dans quelques instants, marquez mes paroles, vous allez voir révérend devant son nom. Et bientôt, ils vont s'appeler Dieu. Gardez mes paroles, bientôt ils vont s'appeler carrément Dieu. Vous allez voir Dieu Ivan Castanou, Dieu Raoul Wafo, Dieu Ntengue, Dieu Maslow Tunassi. Et si vous prenez le nom de révérend, révérend tel, révérend Alain Patrick Ntengue, en fait ça veut dire Dieu Alain Patrick Ntengue. Révérend tel, ça veut dire que Dieu tel. Donc regardez dans cette salle, le Dieu, le démon associé, Dieu avec petit d, associé à cette séphira, la 8e qui est Hoth, ce démon Sabaoth
a pour couleur l'orange. Avec des tons jaunâtres. Voilà ce qui est sur votre écran. Et ça représente la gloire. La gloire Shekinah. Vous voyez, ces pasteurs parlent de gloire Shekinah comme Marcelo Tunassi. La gloire Shekinah, la gloire Shekinah. Tout ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est justement la manifestation de l'arbre de vie de la Kabbale. Quand vous voyez les lunes de gloire de Castanou et autres, ces lunes de gloire, quand vous les voyez, c'est le huitième symbole de la Shekinah. Ces gens, ils seront surpris. Ils pensaient que personne ne pouvait les dénoncer. Regardez, soirée de gloire, l'apparence de piété. Regardez, la Bible parle de ces gens qui se transforment en ministres de Christ. Regardez, gloire, et regardez, qu'est-ce que vous voyez? La Kabbale juive. Le monument de Bruxelles, c'est subliminal. Au fond, il y a le monument de Bruxelles, mais en fait, c'est la Kabbale. Le monument de Bruxelles, c'est un monument kabbalistique. Regardez, les trois nuits de gloire. Une autre affiche avec tous les bandits. Gloire. Regardez le pylône qui représente le phallus de Nemrod, le sexe mâle. Regardez, voilà, je vous parlais de nuit de gloire. Regardez le monument kabbalistique qui représente l'arbre de vie à Bruxelles. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard qu'il a fait le montage de tous les monuments, le symbole de phallus, le sexe satanique de Baphomet? Regardez, toutes sortes d'affiches, nuit de gloire. Et voilà, Boaz et Jacquin. Et après avoir dénoncé depuis des années cet hôtel de franc-maçonnerie, avec les deux pylônes de la franc-maçonnerie, il a changé d'hôtel. Ils sont mis à nu. Cette émission montre que ces gens-là, nous les avons à l'œil. Ils sont mis à nu. Ils ne pourront plus jamais se cacher. Ils sont mis à nu. Je suis content de ce que je peux dénoncer cela. Dénoncer afin que les yeux de plusieurs soient ouverts. Vous pensez que c'est par hasard? Ces affiches de gloire en arrière-plan, l'arbre de vie, regardez la couleur c'est jaune. Voilà la huitième séphira. Voilà ce qu'il y a derrière ces pasteurs abominables. Et regardez encore en background le monument kabbalistique de Bruxelles. Le monument kabbalistique de Bruxelles. Nous passons maintenant au neuvième symbole qui est le symbole de Yesod. Et le démon derrière ce symbole, c'est Hai. Il s'appelle Hai. H-A-I. Hai. Cette séphirote est liée à la lune. Et c'est ce que je vous disais. Le croissant lunaire des musulmans, c'est quoi? C'est lié à cette neuvième séphira. Est-ce que vous voyez le syncrétisme, la synergie, les interrelations entre toutes ces religions? Elles ont les mêmes principes. En fait, c'est le même fondement satanique. C'est les noms qui changent. Est-ce que vous saviez que le croissant de lune, il y a même le drapeau de certains pays, pays arabes, qui a le croissant de lune? Et Dieu voulant, je ferai une émission sur le satanisme derrière les drapeaux. Et ça aussi, les liens avec la Kabbale juive. Sur les drapeaux. C'est pour ça qu'il dit souvent aux jeunes gens, vous qui pensez être patriotique, aimez votre pays, aimez le drapeau, faites attention. Vous êtes peut-être un kabbaliste sans vous en rendre compte. Voilà les mystères de Satan. Ce monde appartient à Satan. Ce monde appartient à Satan. Est-ce que vous saviez que le croissant de lune des musulmans est lié au neuvième symbole de l'arbre de vie ou l'arbre de mort de la Kabbale juive? Aujourd'hui, vous comprenez qu'en fait, il n'y a plus de division entre les Juifs et les Arabes. Les Palestiniens et les Juifs se bombardent tous les jours. Dans les cercles sataniques ésotériques, ils se rencontrent. Ils font le voyage astral la nuit. Ils sont ensemble la nuit. Ils sont ensemble la nuit. Est-ce par hasard que les musulmans vont se prosterner devant le veau d'or qui est le mur de lamentation? Les Palestiniens bombardent, lancent des bombes, lancent des pierres
La bande de Gaza est l'objet de beaucoup de disputes depuis des années. Mais vous voyez les chefs palestiniens aller adorer le mur de lamentation. Voilà cette 9e séphira ou séphirot qui est liée à la lune. Le démon Haï est derrière le croissant de lune de l'islam. Les juifs et les arabes et les musulmans ont les mêmes principes ésotériques. Les mêmes principes ésotériques qui viennent de la Babylone, de Chinéa, tout part de la tour de Babel. Voilà d'où ça vient. Ils ont les mêmes principes. Le démon Haï du 9e symbole ou 9e branche de la Kabbale, de l'arbre de vie ou l'arbre de la mort de la Kabbale, ce démon Haï incite les kabbalistes à prendre leur indépendance, à ne même pas se soucier de Dieu, à s'en foutre de Dieu et à faire confiance à leur destinée. Ce démon les amène à croire que tout dans la vie leur arrive au moment qu'ils veulent et non au moment que Dieu veut. Ils sont maîtres de leur propre destinée. Et je vais vous montrer dans quelques instants les manifestations de ce démon Haï qui se manifeste au travers de la bouche de Makoso et au travers de la bouche de Yves Castanou. Ce démon amène les kabbalistes, ceux qui adorent ce démon, il les amène à croire qu'ils sont maîtres de leur destin. Ils pensent que leur vie est entre leurs mains. Ils pensent que même le jour où ils vont mourir, ça dépend d'eux. Ça ne dépend pas de Dieu. Ce démon les amène à s'en foutre de Dieu et à faire confiance à leur destinée. Selon eux, tout leur arrive au moment, au temps voulu par eux et non au temps voulu par Dieu. Ce démon les amène à être remplis d'orgueil. Et est-ce que vous voyez comment ces pasteurs sont possédés? Ce démon les amène à penser qu'ils sont indépendants, qu'ils ont la destinée, ils ont leur destinée que leurs propres mains. Ce démon les amène à penser que tout dans la vie va leur arriver au moment qu'ils veulent et non au moment que Dieu veut. Et en passant, la couleur correspondant à cette séphira ou séphirot, c'est la couleur violet. Si vous voyez dans ces nuits de gloire, le violet est dominant. Dans les temples de ICC, quelle est la couleur dominante? C'est le violet. Les jets de lumière tendent plus vers le violet. Donc suivez comment ce démon se manifeste à travers la bouche de Makoso et la bouche de Yves Castanou. C'est terrible comment Yves Castanou et Makoso ne se sont jamais rencontrés, sauf si je me trompe, mais vous avez l'impression qu'ils sont sortis d'un même ventre. En fait, c'est le ventre de la Kabbale juive, le ventre du démon Haï, de la 9e branche, de la 9e branche de l'arbre de vie de la Kabbale juive, ou plutôt l'arbre de mort, cette branche appelée Yesod. Suivez-vous-même. J'ai jamais vu certains qui disent « Moi, j'ai expérimenté le temps de Dieu. » Le temps de Dieu n'existe pas. Oh, Dieu va te bénir. Quand le temps de Dieu pour toi va sonner, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Ouais. Parce que depuis des années, on a fait croire ça des chrétiens. Des pasteurs ont prêché sur ça, ils sont morts. Des gens ont attendu le temps de Dieu, ils sont morts. Sans voir l'accomplissement du temps de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on les a dit, attendez le temps de Dieu. Tout maintenant, c'est le Seigneur. Veux-tu avoir une maison? J'attends le type de maison que le Seigneur va me donner. Non! 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 C'est de l'ignorance. Attendez, attendez. C'est de l'ignorance, de la naïveté. Donc, s'il vous plaît, on dit, ah, qu'on n'aime pas à demander. Que quelqu'un vienne me démontrer, Bible à la main, que ce que Camille Makoso dit est faux. Thank you.
toi, tu veux faire quoi dans la vie? Non, moi, ça dépend de Dieu. Tu vas habiter où? Ça dépend de Dieu, mon frère. Il donnera la maison qu'il veut donner, il n'y a pas de problème, tout va bien. Quelle voiture tu veux avoir? Aucune voiture, c'est la voiture du Seigneur. Mon frère. Oh, Seigneur, vraiment. Les gens, ils travaillent matin. Ils se lèvent. Oh, le temps de Dieu pour moi a sonné. J'ai eu mon travail. C'est ces imbécilités que vous appelez le temps de Dieu. C'est ces futilités que vous appelez le temps de Dieu. La plupart des gens qui travaillent, ils ont besoin de prier Dieu pour avoir ça. La plupart des gens qui sont bénis dans ce monde, ils sont obligés d'attendre le temps de Dieu. Ils sont obligés d'attendre les promesses de Dieu. La Chine a été obligée d'attendre la révélation, le temps de Dieu. Les États-Unis ont été obligés d'attendre le temps de Dieu. Il y a des lois pour créer. Comment ils ont fait, tous ces inventeurs? Hey, excusez-moi, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas les chrétiens qui façonnent la plupart des technologies, la plupart des inventions. Même l'avion. L'avion a été créé par un chrétien. C'est ton papa qui a créé l'avion. Ah, c'est comme ça qu'on est en Afrique. Dis-moi, ton papa fait la route là? Ce n'est pas des chrétiens. Le temps de Dieu est une invention stupide, bête, inventée par les pasteurs. Vous êtes des abrutis quoi. J'ai vu des blogueurs viennent. Moi, j'ai expérimenté le temps de Dieu. Ce que Marco sorti, il a été exposé. Quelle maison tu veux avoir? Veux-tu avoir un Kajibi? Que la volonté du Seigneur. Alors, tu auras ton Kajibi, papa. Il n'y a pas de problème. Mon frère, reste tranquille. Bon, quand tu verras les hôtels des grandes maisons, oui, mais c'est matériel. Mais mon frère, on est dans la matière. C'est la terre. La terre est faite de matière. Tu dois avoir une grande maison, une grande piscine. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le corps, même pour l'esprit aussi. Hein, parce que tu sais, l'environnement est important hein, entre nous quand même. Hein. Hein, en toute humilité quand même. Hein. Ah oui, hein. Parce que prier dans un 5 mètres carrés, où tu as la vaisselle, le lit, c'est pas toujours pratique. Quand tu veux jeûner, prier, c'est pas évident. Donc des fois, tu aimerais quand même avoir une salle dédiée à la prière. Et à côté de cela, tu as une salle où tu as un home cinéma. Et puis tu as la piscine. Non, mais c'est possible. Oh, vraiment, monsieur Dieu. Moi, j'ai un principe dans ma vie. Quand quelqu'un est plus pauvre que moi, ce qu'il pense, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a pas ce que moi j'ai, c'est nous, on peut parler. Et puis les autres peuvent s'asseoir comme des enfants bien écoutés. Parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils vivent de litchi. Parce que quand on regarde leur vie, on se dit, mais toi, tu es une abomination même devant Dieu. Hé, hé, moi là, je n'ai pas attendu le temps de Dieu pour être ce que moi je suis. Voilà. Je n'ai même pas besoin d'attendre Dieu. En fait, vous n'avez pas encore compris. Je vais vous répéter encore ce que vous dites. Je n'ai plus besoin d'attendre Dieu. Je n'ai plus besoin de prier Dieu pour devenir ce que j'ai envie d'être. C'est fini ça. C'est terminé ça. C'est fini. Je n'ai plus besoin d'attendre Dieu. C'est fini ça. Donc, le temps de Dieu que tu attends là, c'est un esprit de paresse, un esprit de bêteté notoire, un esprit de stupidité. Et tous ceux qui attendent le temps de Dieu, vous êtes des bâtards. Le temps de Dieu que tu attends là, c'est un esprit de paresse. On a tellement mis dans notre tête qu'on était sauvés par la grâce de Dieu qu'on est devenu de véritables paresseux. Et cette paresse nous gangrène. Tout maintenant, c'est le Seigneur. Veux-tu avoir une maison? J'attends le type de maison que le Seigneur va me donner. Non! 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 C'est de l'ignorance. Moi, je n'attends pas le temps de Dieu. Je n'ai même pas besoin d'attendre le temps de Dieu. Parce que je suis moi-même dans mon temps. J'accomplis mon temps. Je manifeste mon temps. Imbécile que vous êtes. Voilà. C'est la manifestation de ce Dieu haï. C'est la manifestation de ce démon haï de la neuvième branche ou neuvième symbole de l'arbre de mort, pour ne pas dire l'arbre de vie, de la Kabbale juive, Yesod. Voilà ce démon qui se manifeste. Ils pensent qu'ils sont maîtres de leur vie. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Et apparemment, ils sont pasteurs. Apparemment, ils sont pasteurs. Voyons le commentaire justement d'une certaine Sonia par Facebook. Qu'est-ce que Sonia dit? Ils ne se cachent plus. Ils s'alignent, se réunissent. Regardez avec la tour de Babel. C'est exactement pareil. Ils construisent ensemble.
Mais Dieu va les détruire à son temps. C'est aussi ça livré, les fils de perdition. Cette Sonia qui a fait ce commentaire par Facebook a beaucoup de bon sens, beaucoup de bon sens. Ce n'est pas par hasard que ce jeune homme, cet influenceur camerounais, a été invité à cette télévision. Parce que c'est les oiseaux de même plumage. Vous avez écouté Yves Castanou se moquer de ces chrétiens qui prient dans les KGB, dans les 5 mètres carrés. Lui, il a besoin d'un environnement luxueux, justement, pour manifester ces démons de l'arbre de vie de la Kabbale juive, qui sont aussi associés au yoga. Voilà les choses qui sont derrière. Et je pense que mes frères et sœurs, à la fin de cette émission, de cette présentation où nous sommes actuellement, vous allez pleurer de toutes vos larmes, de toute seconde que vous avez fait dans ce temple de mort, que ce soit chez ICC, ou chez Marcelo Tunassi, ou chez d'autres ténors abominables de l'évangile, le diable de la prospérité, du vampirisme évangélique, vous allez regretter, pleurer toutes vos larmes. Mes frères et sœurs, c'était un plaisir de vous montrer ces choses. Quand nous reviendrons dans quelques jours, plaise à Dieu, ce serait pour exposer d'autres choses. Et nous avons dans le pipeline, dans le congélateur de Jésus-Christ TV, la dénonciation de ce faux pasteur congolais qui a été mis en prison, en garde à vue en France, un certain Charles Bameko, qui harangue les foules tous les dimanches au moyen des tambourinements de batteries, de tam-tam, les entraînant en enfer et les dépouillant en attendant. Et j'espère que la prison dans laquelle il se trouve maintenant l'amènera à s'agir, à découvrir véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Ce sera, par la grâce de Dieu, le sujet d'une prochaine émission dans quelques jours, Dieu voulant, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas entre-temps. Et si, par la grâce de Dieu, nous sommes toujours sur cette terre pour continuer cette œuvre, c'est parce que c'est une grâce de faire ce travail, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Fin témoignage. J'ai eu la manifestation de ce que Ézéchiel a vécu. Je vous fais ce témoignage, mes frères. On a déjà fini la réunion. Je vous fais ce témoignage. J'ai eu la manifestation de ce qu'Ézéchiel, vous vous rappelez comment Dieu a pris Ézéchiel. Dieu a percé un trou dans le mur et a dit à Ézéchiel, vois ce qu'ils font à l'intérieur. Ces grands du temple, ces anciens, ces pasteurs superstars. Ézéchiel a regardé et Ézéchiel a vu ce qu'ils étaient en train de voir, de faire dans les ténèbres. Les reptiles, les êtres abominables, les démons, tout ce qu'allait lire cette histoire. Je vous assure que quand vous allez suivre cette émission, vous allez rendre grâce à Dieu. Suivez-la jusqu'à la fin. Il va faire moins de 3 heures de temps. Nous avons presque fini de la monter au studio. Parce qu'on a fait l'émission pendant combien d'heures? Plusieurs. Nous sommes entrés au studio à 20 heures. Nous sommes sortis à 5 heures du matin. Pour une émission de 2 heures de temps. Donc c'est un travail technique terrible. Et après, donc, quand on a la vidéo réalisée, et notre travail consiste à éditer, à la publier, à la rendre correcte de manière qu'elle peut être publiée dans les chaînes de télévision. Donc il y a tout un travail de post-production qu'il faut faire, de manière que vous pouvez la publier à la télévision, vous pouvez la publier sur Internet, vous pouvez la publier sur YouTube, vous pouvez la publier sur Skype avec des paramètres bien précis. C'est un travail technique après. Donc, l'OCM a pris ce que je vais vous expliquer. Vous avez dit que Georges avait appris ça depuis les années. Non. Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a mené en profondeur dans le mystère de la Kabbale que je ne connaissais pas.
jusqu'à me révéler les noms derrière les démons. Et quand le démon a un nom, je tape sur internet, le nom apparaît. Et je vois comment le nom apparaît et l'image de ce démon, comment ils ont décidé ce démon. Je vous assure que c'est j'en tremble mes frères et sœurs. C'est quelque chose de grave cette émission-là. Ils grincent les dents. Ils grincent les dents, ces gens-là. J'ai publié quelques extraits. Alors, il y a un Achille qui me dit, j'ai eu un songe sur toi. Quelqu'un était enragé, il est venu chez toi. Conforte dans vraiment son hospitalité, sa gentillesse, lui a ouvert la porte. La personne est venue. Achille me dit qu'il n'a pas bien vu le visage, mais c'était ces grands-là, ces grands prédicateurs superstars. Donc il est venu, il me lançait des bouteilles. Et j'étais protégé. J'étais protégé dans une... par des murs. J'étais protégé par des murs. Donc il lançait des bouteilles pour me détruire, pour me tuer. Des verres. Ça retournait vers lui. Ça retournait vers lui. Il avait une rage. J'ai dit à Achille, ce que Dieu t'a montré, c'est exactement ce qui se passe. Ils sont enragés. Je vous assure que l'émission que vous allez suivre, si l'émission là, je l'ai faite, je suis en vie, pour moi je vous parle, c'est que Dieu avec moi. Vous ne pouvez pas exposer et ce n'est plus les castanous qui sont derrière. Ce n'est plus les castanous. Cette émission là, c'est des entités sataniques avec des noms bien précis que j'ai exposés. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'enseignement, vous allez suivre ce genre d'émission. Être en vie si Dieu n'est pas avec vous. C'est pas, je ne crois pas ça. Que vous, si Dieu n'est pas avec vous, vous faites cette émission. Vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas commencé. La Kabbale juive a été exposée telle qu'elle n'a jamais été exposée. Et ça va aider. Pas vous. Vous et moi n'avons pas besoin de cette dénonciation. Nous avons encore beaucoup de nos familles dans ces mouvements. Nos familles, nos amis, nos collègues, nos camarades sont encore retenus captifs dans la Kabbale juive. La Kabbale juive est répandue à travers le monde, dans le domaine de la finance aux États-Unis, dans le domaine de partout. La Kabbale juive, et elle a infiltré, elle est bien assise dans ces soi-disant églises. Donc il y aura des mystères. Suivez ça du début jusqu'à la fin. Et avant de suivre, priez Dieu avant de suivre. Parce que ce qu'il y a dans cette émission, les parties que j'ai déjà publiées, les teasers comme les avant-goûts, ça n'a rien à voir. Donc, c'est des révélations terribles. Ils sont furieux. Quand ils vont écouter ça, ceux de ces pasteurs qui peuvent se repentir vont se repentir. Parce qu'ils sont mis à nu. Chaque démon, là, de la Kabbale, a 10 boules que les juifs appellent séphirot ou séphira. Chaque 10 boules, c'est un démon qui devait invoquer chaque jour. Pas chaque jour, tous les jours. Un démon. Et le démon a un nom. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Et je dénonce cela. Et ce que le démon fait, tel démon, dans telle boule de la Kabbale, vous voyez, le mot impact, l'âme de la Kabbale qui apparaît dans l'impact de Divan Castano, avec 10 boules, ces boules sont les séphirot, c'est les centres d'énergie satanique. Et il y a un démon que Satan a associé à cette boule. Donc les Castano et autres doivent louer ce démon, l'invoquer. Et ce démon a un rôle. Il y a un des démons que vous allez suivre, qui a pour rôle de faire verser le sang. Et les jeunes influenceurs et autres partent avec ces démons. C'est ces démons qui amènent les gens à être riches. Mais ils vous demandent le sang. Et un autre démon, c'est lui qui donne la gloire du monde, la célébrité, la gloire. Et lui s'appelle, son nom c'est Gloire. Dans ce terme de vie. C'est pour ça que vous voyez les soirées de gloire. Je parle avec passion, j'ai l'impression que c'est une autre émission que je vais recommencer. Bref, c'est pour vous dire que mes frères, c'est tellement grand. Que Dieu soit loué, c'est par là où je vais terminer. Donc, voilà ma supplication. Je pense à mon avis que c'est la plus grande dénonciation de Jésus-Christ TV depuis 10 ans. Il n'y a pas, je ne sais pas s'il y aura encore une dénonciation plus grande. Peut-être que Dieu va m'amener à approfondir et peut-être vous-même à approfondir. Elle va vous ouvrir les yeux, elle va vous faire voir les choses même que je n'ai pas exposées. C'est tellement grand. En fait, Jésus parlant à Jean, à Apocalypse, par les mystères de Satan. Donc Dieu m'a pris, il m'a donné de visiter les mystères les profonds de Satan et je les ai exposés dans cette émission de moins de 3 heures. Dès que je termine là, je vais m'assurer qu'elle est bouclée, elle est publiée avant que la nuit tombe à Houston aujourd'hui, par la grâce de Dieu.
Donc voilà, mes frères et sœurs, je vous en supplie, dès que vous la voyez sur YouTube, sur Facebook et autres, sur WhatsApp, mettez votre travail. C'est un travail tellement facile pour avoir votre niveau. Partagez, partagez, partagez et rendre ça viral. Et donc, on se voit, plaise à Dieu, dans une semaine et que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'on peut dire maintenant. Au revoir, persévérons, tenons ferme. Je vous en supplie, j'allais finir sans vous faire une demande. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Dès que cette vidéo est publiée, la vidéo sur l'arbre de vie ou l'arbre de mort de la Kabbale, publions-la. Nous sommes combien? Nous sommes actuellement 130 et les frères qui sont connectés. Si chacun de nous peut publier à au moins tous nos contacts, ça veut dire que si vous avez 500 contacts, envoyez à chacun des 500 contacts. Envoyez cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que ce qu'on va découvrir, et le petit témoignage, c'est que, j'ai fait un témoignage. J'ai eu la manifestation de ce que Ézéchiel a vécu. Je vous fais ce témoignage, mes frères. On a déjà fini la réunion, je vous fais ce témoignage. J'ai eu la manifestation de ce qu'Ézéchiel, vous rappelez comment Dieu a pris Ézéchiel. Dieu a percé un trou dans le mur et a dit à Ézéchiel, vois ce qu'ils font à l'intérieur. Ces grands du temple, ces anciens, ces pasteurs superstars. Ézéchiel a regardé et Ézéchiel a vu ce qu'ils étaient en train de voir, de faire dans les ténèbres. Les reptiles, les êtres abominables, les démons, tout ce qu'allait lire cette histoire. Je vous assure que quand vous allez suivre cette émission, vous allez rendre grâce à Dieu. Suivez-la jusqu'à la fin. Il va faire moins de 3 heures de temps. Nous avons presque fini de la monter au studio. Parce qu'on a fait l'émission pendant combien d'heures? Plusieurs. Nous sommes entrés au studio à 20h. Nous sommes sortis à 5h du matin. Pour une émission de 2 heures de temps. Donc c'est un travail technique terrible. Et après, donc, quand on a la vidéo réalisée, et notre travail consiste à éditer, à la publier, à la rendre correcte de manière qu'elle peut être publiée dans les chaînes de télévision. Donc il y a tout un travail de post-production qu'il faut faire, de manière que vous pouvez la publier à la télévision, vous pouvez la publier sur Internet, vous pouvez la publier sur YouTube, vous pouvez la publier sur Skype avec des paramètres bien précis. C'est un travail technique après. Donc, le Seigneur m'a pris ce que je vais vous expliquer. Vous avez dit que Georges avait appris ça depuis des années. Non. Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a mené en profondeur dans le mystère de la Kabbale que je ne connaissais pas. Jusqu'à me révéler les noms derrière les démons. Et quand le démon a un nom, je tape sur Internet, le nom apparaît. Et je vois comment le nom apparaît et l'image de ce démon, comment ils ont décidé ce démon. Je vous assure que c'est j'en tremble mes frères et sœurs. C'est quelque chose de grâce à cette émission là. Ils grincent les dents ces gens là. J'ai publié quelques extraits. Alors il y a Achille qui me dit, j'ai eu un songe sur toi. Quelqu'un était enragé, il est venu chez toi, conforte dans vraiment son hospitalité, sa gentillesse, lui a ouvert la porte. La personne est venue, Achille me dit qu'il n'a pas bien vu le visage, mais c'était ces grands-là, ces grands prédicateurs superstars. Donc il est venu, il me lançait des bouteilles. Et j'étais protégé par les murs. J'étais protégé par les murs. Donc il lançait des bouteilles pour me détruire, pour me tuer. Des verres. Ça retournait vers lui. Ça retournait vers lui. Il avait une rage. J'ai dit à Achille, ce que Dieu t'a montré, c'est exactement ce qui se passe. Ils sont enragés. Je vous assure que l'émission que vous allez suivre, si l'émission là, je l'ai faite, je suis en vie, pour moi, je vous parle, c'est que Dieu avec moi. Vous ne pouvez pas exposer et ce n'est plus les Castanous qui sont derrière. Ce n'est plus les Castanous. Cette émission là, c'est des entités sataniques avec des noms bien précis que j'ai exposés. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'enseignement, vous allez suivre ce genre d'émission. Être en vie si Dieu n'est pas avec vous. C'est pas, je ne crois pas ça. Que vous, si Dieu n'est pas avec vous, vous faites cette émission. Vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas commencé. La Kabbale juive a été exposée telle qu'elle n'a jamais été exposée. Et ça va aider
Pas vous. Vous n'avez pas besoin de cette dénonciation. Nous avons encore beaucoup de nos familles dans ce mouvement. Nos familles, nos amis, nos collègues, nos camarades sont encore retenus captifs dans la cabale juive. La cabale juive est répandue à travers le monde, dans le domaine de la finance aux États-Unis, dans le domaine de partout. La cabale juive, et elle a infiltré, elle est bien assise dans ces soi-disant églises. Donc il y aura des mystères. Suivez ça du début jusqu'à la fin. Et avant de suivre, priez Dieu avant de suivre. Parce que ce qu'il y a dans cette émission, les parties que j'ai déjà publiées, les teasers comme les avant-goûts, ça n'a rien à voir. Donc, c'est des révélations terribles. Et ils sont furieux. Quand eux-mêmes vont écouter ça, ceux de ces pasteurs qui peuvent se repentir vont se repentir. Parce qu'ils sont mis à nu. Chaque démon, là de la cabale, a 10 boules que les juifs appellent séphirot ou séphira. Chaque 10 boules, c'est un démon qu'ils doivent invoquer chaque jour. Pas chaque jour, tous les jours. Un démon. Et le démon a un nom. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Et je dénonce cela. Et ce que le démon fait, tel démon, dans telle boule de la cabale, vous voyez le mot impact, le mot, là de la cabale qui a parlé d'impact d'Ivan Castanou, avec 10 boules, ces boules sont les séphirot, c'est les centres d'énergie satanique. Et il y a un démon que Satan a associé à cette boule. Donc les Castanets et autres doivent louer ce démon, l'invoquer. Et ce démon a un rôle. Il y a un des démons que vous allez suivre qui a pour rôle de faire verser le sang. Et les jeunes influenceurs et autres partent avec ce démon. C'est ce démon qui amène les gens à être riches. Mais il vous demande le sang. Et un autre démon, c'est lui qui donne la gloire du monde. La célébrité, la gloire, et lui s'appelle son nom, c'est gloire. Dans ce terme de vie. C'est pour ça que vous voyez les soirées de gloire. Je parle avec passion, j'ai l'impression que c'est une autre émission que je vais recommencer. Bref, c'est pour vous dire que mes frères, c'est tellement grand. Que Dieu soit loué, c'est par là où je vais terminer. Donc, voilà ma supplication. Je pense, à mon avis, que c'est la plus grande dénonciation de Jésus-Christ depuis 10 ans. Il n'y a pas, je ne sais pas s'il y aura encore une dénonciation plus grande. Peut-être que Dieu va m'amener à approfondir et peut-être vous-même à approfondir. Elle va vous ouvrir les yeux, elle va vous faire voir les choses même que je n'ai pas exposées. C'est tellement grand. En fait, Jésus parlant à Jean à Apocalypse par les mystères de Satan. Donc Dieu m'a pris, il m'a donné de visiter les mystères les profonds de Satan et je les ai exposés dans cette émission de moins de 3 heures. Dès que je termine là, je vais m'assurer que elle est bouclée, elle est publiée avant que la nuit tombe à Houston aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Donc voilà mes frères et sœurs, je vous en supplie, dès que vous la voyez sur YouTube, sur Facebook et autres, sur WhatsApp, mettez votre travail, c'est un travail tellement facile pour à votre niveau. Partagez et rendre ça viral. Donc on se voit, plaise à Dieu, dans une semaine et que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'on peut dire maintenant, au revoir, persévérons, tenons ferme. Je vous en supplie, j'allais finir sans vous faire une demande. Je vous en supplie, mes frères et sœurs. Dès que cette vidéo est publiée, la vidéo sur l'arbre de vie ou l'arbre de mort de la Kabbale, publions-la. Nous sommes combien? Nous sommes actuellement 130 et les frères qui sont connectés. Si chacun de nous peut publier à au moins tous nos contacts, ça veut dire que si vous avez 500 contacts, envoyez à chacun des 500 contacts. Envoyez cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que ce qu'on va découvrir, et le petit témoignage, c'est que j'ai fait un témoignage. J'ai eu la manifestation de ce que Ézéchiel a vécu. Je vous fais ce témoignage, mes frères. On a déjà fini la réunion, je vous fais ce témoignage. J'ai eu la manifestation de ce qu'Ézéchiel. Vous vous rappelez comment Dieu a pris Ézéchiel. Dieu a percé un trou dans le mur et a dit à Ézéchiel, vois ce qu'ils font à l'intérieur. Ces grands du temple, ces anciens, ces pasteurs superstars. Ézéchiel a regardé et Ézéchiel a vu ce qu'ils étaient en train de voir, de faire dans les ténèbres. Les reptiles. Les êtres abominables, les démons, tout ce qu'allait lire cette histoire. Je vous assure que quand vous allez suivre cette émission, vous allez rendre grâce à Dieu. Suivez-la jusqu'à la fin.
Il va faire moins de 3 heures de temps. Nous avons presque fini de la monter au studio. Parce qu'on a fait l'émission.